It's the rolling. Rolling, rolling, rolling. Salut tout le monde, ici les boys avec Space G. C'est ça, tu me niaisais. Yeah. C'est l'épisode de Noël. Tu me sens-tu dans ma voix? Ouais, c'est pas ça. La voix c'est Noël, c'est susurré. C'est Noël, que tu le veuilles ou non. Ça, c'est vrai. C'est Noël que vous le vouliez ou non. Sans amour ni passion. Oh, wow. Ou avec. Dans le carrefour. En grignon, 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 grignon. Il y a des hommes dans ta rue. Fête Noël tout seul. Et cette année, pour Tu me niaises de Noël, on s'est dit qu'on allait faire un crossover avec la gang de Noël chez Isidore. Parce que dans le fond, c'est eux. C'est nous autres Noël. C'est eux Noël au Québec dans le podcast. C'est vrai. Tu sais, quel autre podcast pourrait dire non, c'est nous Noël? Nommez-moi en deux. Aucun. Aucun, exactement. Jacques Rougeau, c'est Tiki. Mais en même temps, Jacques Rougeau pourrait dire que c'est Noël, mais pas parce que c'est Noël, parce que c'est Jacques Rougeau. Fait que lui, il peut dire à peu près n'importe quoi, puis c'est pas toujours en lien avec la réalité. Jacques Rougeau peut être Noël du campeur. Ouais, il est pas mal. On dirait qu'il est le Noël du campeur de la lutte. Ben de l'Halloween, parce qu'il se déguise en Mountie puis il fait faire des tours de moto à Nathalie Simard. Ça, c'est un grand moment du podcast. Ça, oui. J'ai écouté un peu, pas beaucoup, parce que c'est quand même... C'est long. Ouais. Ben c'est parce que surtout, tu nous disais juste avant que tu t'es dit à un moment donné, je vais arrêter d'écouter de la marde, là tu t'aides pas, tu commences à rentrer dans ça, c'est vraiment ça. De la marde. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est un des meilleurs contenus marde qui s'est fait dans les dernières années. Je trouve pas, c'est mal enregistré. Là. Mais c'est toi, tu bosses sa technique, il est capoté. Là, c'est la technique de Jacques Rougeau m'empêche d'apprécier le fait que ce gars-là pose les questions les plus absurdes de l'univers. Oui. Mon épisode préféré, c'est Marc Boilard. ça doit être bon, ça. Ben, oui, puis le pire, c'est que c'est ça qui est comme fou dans l'univers de Jacques Rougeau, c'est que c'est pas de la faute à Marc Boilard que ça a pas de sens. Même que Marc, imagine. À sa défense, pour une fois, essaye de donner le volant pour pas qu'on pogne le champ. Pour une fois dans vie, Marc Boilard a l'air d'avoir fait son barreau. Exact. Il a l'air, tu fais Chris, il a l'air d'être drette, tu fais ouais mais l'autre tabarnak qui conduit de même. Là je sais que je l'ai déjà parlé, mais on peut jamais trop parler de ça. Tu sais, un moment donné, juste donner un exemple, mettons, il demande à Marc, t'es-tu célibataire, je sais pas quoi, on se rend juste à comme oui, je suis célibataire, puis ça, d'un, il en revient pas. Mais pas revenir comme pas, mettons, oh ouais, non, hein, voyons donc. Et c'est ben. Wow! On dirait qu'il est comme, mais qui t'essuie? Voyons donc, mademoiselle! Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez au gaz? Non, mais je pense qu'il est surpris parce que c'est comme un cruiseur un peu qui fait des guides de mais comment. Mais non, mais ça, puis aussi, des parce que Jacques nous explique mais quand c'est justement après pour que... ça qu'il est célibataire. Là. Moi, c'est quelle fille veut de ça? Exactement. Trop de dossiers dans son cruiseur. Ouais, non, c'est ça. Moi, on dirait que lui, dans sa tête, il fait, oh non, moi je le dis tout de suite, je veux rien à long terme. Puis la fille est comme, oh non, je le sais, là. C'est correct. Exact, Marc, c'est cool. Oh non, j'ai le cœur brisé. Mais non, genre, c'est juste, il est comme renversé. On dirait que c'est la première fois en 67 ans de vie qu'il rencontre un homme qui veut pas juste une femme tout le temps, mettons. Chez lui, fait que lui, il est comme, t'es un nasty malade, toi. Puis il finit par apposer deux diagnostics rapides qui passent un peu en dessous de la table, mais c'est comme tes parents t'aimaient-tu, puis t'es-tu gay. Comme tout de suite, c'est ça, mais attends une minute, tu veux pas une femme, fait que tu dois être sûrement gay, ouais. C'est pas fou, là. Il faut juste que je rule out des opportunités. Bing, bang, un des deux, non, hein, là, puis là, tu sais. Puis c'est le même tout le long. Puis il fait, tu sais, Jacques Rougeau fait une entrevue, puis tu sais, c'est ça une entrevue à la limite, c'est des choses que tu sais pas, tu poses des questions, ben oui. Puis tu as des réponses. Mm-hmm. On mais là, que ça va plus des loin que ça. Tu savais pas, maintenant tu le sais, puis tu veux qu'on aille pour. Mais là, pas du total clueless. Lui, là. Comme il pose des questions à Maguire, puis il sait pas rien de ce qu'il dit. Comme toi, t'as-tu fait quelque chose, mettons? Puis là, l'autre est comme, il fait, ben ouais, j'ai fait de la radio. Ah! Finalement, c'est le bibi de la lutte. C'est le bibi du podcast, effectivement, mais un bibi de genre 320 livres qui aime bibi. Lancer ses fils genre sur un ring. Ah oui, tu remplaces la voix de Bibi par Jean-Claude c'était carrément. Allô Bibi! Le podcast, c'est pas ici!
c'est là-bas. Ça, c'est un crossover qu'on a besoin aussi. Bibi avec Jean Crougeot. Tu vois, c'est vrai. Que c'est deux personnes. C'est hey, Jean, faut que j'aille à la gueule. J'ai vu quelque chose. Personne comprend. Non, mais toi. Toi, ça, tu viens de l'espace, toi, si je suis comme... Je viens de l'espace, Jean! Ça ferait comme un cercle infini de deux personnes qui comprennent pas. C'est juste comme quand tu mets un micro devant un speaker, là, puis là, c'est juste comme... Le feedback loop de l'univers. Wow, hey! Mais là, il faut être honnête, là. C'est vrai que, mettons, au contraire de Noël chez Isidore, tu me niaises, c'est pas le podcast qui a le plus célébré Noël depuis son arrivée. Ben, un peu, quand même. Jean-François, il est pas, non, il est pas satisfait de notre output. Parce qu'une fois, on a fait un épisode de Noël, puis c'était comme le pire épisode de Noël. Mais c'est celui avec le petit hélicoptère. C'était si pire, je l'ai jamais vu. Non, pas vraiment. Non, c'était chez vous. Ben oui, mais là, c'était en pandémie. Oui, mais vous étiez tellement dark. Ah oui, vous avez joué à un jeu, je pense. Non, il nous montrait ses jeux de société. Oui. Là, t'arrêtais pas de dire capitaliste. Mais c'était pas bon. Que tous les jeux, c'était capitaliste. Ouais, mais sauf que c'était un épisode de Noël, ça se posait de feel good. Il y a même du monde qui ont écrit, là, on avait acheté le spécial Noël pour l'écouter avec mon chum à Noël parce qu'il adore Noël. Puis là, vous nous avez... Puis c'est suicidé. Fucking déprimé après. C'est quoi votre style problème? Mais en même temps, on je sais pas comment dire. Noël aussi. Puis c'est pas ça, tu me niaises, je comprends pas. Mais oui, mais on peut-tu être heureux une fois par année? Mais ça serait pas weird, justement. Toute l'année, on est comme le système, tout va pas bien, la police, puis à Noël, on est comme, yeah, plein de cadeaux, puis comme on est pas... super normie. Non, mais pas yeah, plein de cadeaux, mais juste comme, hey. Être de bonne humeur quand même. Être de bonne humeur. Hey, je t'ai préparé du kimchi, check. Ah, oh, wow, il est donc bien bon ton kimchi. Parce que Noël, c'est pas juste les cadeaux. Je t'apprécie comme personne. Puis toi aussi, Mathieu, je t'aime. Ben oui, t'as beaucoup de talent. Tu sais, là, cet épisode-là, mettons. Mais non. Mais ça, c'est pas la déception. Mais non. Je peux pas. Pas capable. Rien à faire avec ces deux-là. Comme quand JF réécoute l'épisode de Noël de pandémie, c'est comme quand Isaac se réécoute à OD. Il trouve que c'est pas lui. Il endosse pas. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas mon Noël. J'endosse pas les images de moi-même que j'ai vues. Si j'avais été là. Si j'avais été là. Ça aurait été bien différent. J'aurais été pro-Noël au bout. Fait que tu vois, puis j'étais là, puis j'ai pas été pro-Noël. Ça veut dire que c'est pas arrivé, là. Donnez oui. Bien. Mais gars, mais tu vois, cette année, je pense qu'on se donne la chance justement de le vivre, ça, c'est ça, là? Ouais, ben là, c'est tu vois ça. Pas, tu vas pas fermer, là? Non, non, c'est parfait, gars. On est rendu là, ouais, là. Non, pas hey, d'avoir en plus jasé de plein de choses cet après-midi, c'est un des plus beaux Noël. C'est vrai. À date, j'ai eu full de fun. C'est le plus beau Noël de novembre que j'ai jamais vécu. Ben, c'est ça. Là, il y a un feu. Ouais, il y a un feu. Il y a un chien qui dort. Ben, dans deux, trois mois, il va y avoir de la neige, on le sait pas. C'est beau, là. Mais tu sais, ce qui est weird, c'est que. Tu sais, c'est un peu random, mais je veux dire, mettons, moi, je savais qu'on s'en venait ici de faire deux épisodes avec eux autres, de Noël, puis tout ça. Puis j'ai pas vraiment pensé à ça. Mais tu sais, en m'en venant tard, j'étais comme, tu sais, j'espère que je vais filer Noël un peu. Tu sais, je file pas vraiment Noël, on est comme mi-novembre, il pleut, ouais, c'est 12. On est à la mais mort, là, finalement, ça. On arrive, on me met un petit chapeau, tout un veston qui chaîne, il y a un feu. Chris, on dirait que ça l'a officiellement, pour vrai, non ironiquement, ouvert ma saison des fêtes. Ouais, moi aussi. Arrête de vivre dans un vieux Noël de Tumonière. Hey, oui! Non, je vis dans un nouveau Noël. Yes. Oui, non, mais c'est notre power. Ça. Ben, c'est ça, c'est l'effet Noël chez Isidore. C'est même, c'est comme nous, on essaie de garder cette vibe-là toute l'année. Puis de montrer aux gens que Noël, oui, il y a plein de côtés plates, là, comme tout le monde le sait. Personne n'est 100% Noël, à part Elisabeth Blouin-Bratouet, là, qui a fait l'album 100% Noël. Ben... Mais... je veux dire, je l'ai déjà vu au dépanneur le matin, elle n'était pas 100%. Peut-être qu'elle l'est pas tout le temps. Elle était plus Boxing Day. Ouais, elle était comme 50% Halloween, 50% Ecstasy. Là, Elle cherchait le Gatorade. Ouais, c'est ça. Fait que là, mais ça, c'était quand elle était jeune. Ouais. Mais ouais, mais bref, tu sais, tout le monde a ses problèmes avec Noël, la consommation. La famille. La famille, des fois, c'est pas facile. Les parties, police, c'est pas tout le temps fun. Il y a beaucoup de police. Les gens seuls dans ta rue. Ouais, mais la consommation. Il y a quand même des affaires de fun dans Noël. Puis on peut, chacun de notre bord, trouver qu'est-ce qu'on aime de Noël, puis essayer de mettre ça plus de l'avant, puis s'éloigner des affaires qu'on n'aime pas. Beaucoup de gens, mettons, ils s'entendent mal avec certains membres de leur famille ou avec
leur famille au grand complet, ils vont aller dans des parties de Noël avec des amis, puis ils vont se retrouver puis faire quelque chose qu'ils aiment. T'sais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de parents de marde, donc ben, il y a plein d'amis ça, qui ne veulent pas Noël en exact, famille. Exact, souvent, ces gens-là se retrouvent là, entre eux, c'est pas bien compliqué. Ah. Là. Mais c'est intéressant, ça, parce que ça devait moins se passer avant. On dirait que Noël, dans le fond, a la même possibilité que, mettons, les couples maintenant, où ce que tu sais, avant, tu es obligé de te marier puis d'être pogné là, là. Maintenant, il y a des gens qui vivent ça différemment, Marc qui Poilard. Ont plein d'amoureux. Poilard, okay. Ah! Voyons donc! Ah, comment ça, t'es-tu gay? Ouais, non, c'est mais, ça, lui, ça. Tu dois manger de ton restaurant? Ton linge pue pas! Ah, yeah. Comment ça? Mais, c'est plus pas mais c'est vrai que dans le fond, il y a comme un nouveau Noël, peut-être. Qui exact, il y a moyen de le vivre à ta façon. Tu sais, comme, ouais. comme Noël à ta façon. Ton Noël. Ton Noël comme je veux. Ça, c'est important. Mais tu sais, c'est ça. Puis là, tu peux trouver. Il y a moyen. Souvent, beaucoup des affaires qu'on présente à Noël chez Isidore, c'est comme un peu ironique. T'sais. Puis là, on va chercher par exprès les affaires comme un peu poche, tu sais, la musique poche, ouais. Les extraits whack dans des émissions cheap ou des films cheap. T'sais. Puis évidemment, on en rit puis tout ça. Mais ça amène quand même une petite ambiance puis ça nous fait rire. Puis à travers ça, tu vas tomber sur des produits culturels que tu trouves le fun, que tu trouves cute, une toune que tu aimes plus qu'un autre. Puis il y en a des bonnes affaires aussi. T'sais. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Faut C'est correct d'être écœuré de Noël, c'est correct d'être cynique, mais aussi, à un moment donné, on peut prendre la vibe de « oui, OK, il y a plein d'affaires que j'aime pas, mais je vais me construire un Noël que je veux. » Pas trop focusé sur le « no » de Noël. Exact. Plus sur le « yes, yeah, elle yeah. ». Le yes, sur le « oui » de Noël. Le « oui ». Oui, oui, oui. No, oui, no, oui, no, oui, no, oui, comme dirait Marc Hervieux. Ça, c'est comme un moment aussi que la bête des gens qui sont moins occupés. Ben, pas occupés dans le sens ils ont moins de. Je vais recommencer, là. Ce que je veux dire. Vas-y, ça. C'est que le monde a souvent congé dans cette période-là. Fait que c'est plus facile d'organiser des affaires avec du monde que tu veux voir. C'est ça. Puis là, tu sais, oui, il y a des traditions, puis t'écoutes des affaires de Noël, puis t'es dedans tranquillement, tu sais, t'es pas obligé à être full. Non, non, c'est Noël, ça. Il y a quand même une parenté avec le message de Nicolas Ciccone aussi, de tout ce que pour Noël, c'est de l'amour. Exactement. C'était mieux dans le temps. C'était bien mieux avant. C'est pas mais c'était pas nécessairement mieux avant, non, en fait. Non. Moi, je pense que c'est mieux maintenant, vraiment. Oui. Justement, comme tu le dis là, c'est comme. Il y a eu une époque où c'était comme impossible, genre que tu peux pas aller dans ta famille, c'est comme t'es obligé. Ouais, mais en fait, pas y aller, tu pouvais, mais je veux dire, ça créait plus de problèmes. T'avais, c'est que ça. D'y aller. Fait que là, tu y allais puis tu te faisais chier. Là, maintenant, comme c'est un peu plus. Puis là, il y a eu les Noëls pandémiques qui ont tout été annulés par Legault. Bravo, Legault. Bravo, Legault. Confinement. Comment est-ce que tu penses que nos enfants vont s'en sortir de ça? Exact, la santé mentale. Puis là, mon bye-bye qui a été cancellé par une alerte Amber. Pas fort, ça, Legault. Il nous restait juste ça. Fait que là, bref, ça a fait, ça a un peu cassé la vibe parce que ben il n'y a pas eu vraiment de Noël en famille ou sinon des peu plus petits, tu sais, comme des tout petits sous-groupes. Puis ça a amené la possibilité que, ouais, finalement, c'est chill de même, tu sais. Puis comme il y a probablement du monde qui vont continuer à faire ouais, ça. Ouais, penses-tu que les gens ont trouvé quand même, parce que tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont trouvé ça dur aussi quand même de pas se rassembler. Ont... Ouais, ouais. Mais tu penses qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont trouvé justement, un, hey Chris, finalement, c'est le fun une semaine à moi. Je pense qu'il y a du monde qui a trouvé ça le fun, c'est sûr. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont tomber en vacances puis juste avant Noël vont faire. Hey, on dit ça à sa famille que j'ai la COVID. C'est ça. Ouais, les gens ils vont rester symptômes. À la maison écouter des séries. Ouais. Ça, ça peut être ben ça. Tranquille. Puis c'est le fun de ça, faire ça. C'est pas faux, ça. C'est une possibilité. Mais aussi, tu peux faut ta famille puis y aller. Tu sais, puis comme... Non, c'est ça. Empêche-toi pas si c'est le fun. Mais c'est, ouais, c'est vrai que souvent, ça. C'était beaucoup de choses imposées, Noël. C'est ça. D'aller voir des gens avec qui. C'est pas tout le monde qui a une super relation avec sa famille non plus. Acheter plein de cadeaux pour tout le monde. Maintenant, ça se perd un peu. Il y a beaucoup de monde qui disent on se fait pas de cadeaux ou on s'en fait moins ou on fait un cossin qui coûte pas cher. Bon, Marc aussi. T'sais, faut pas oublier que les parents puis les enfants ont pas la même version là, t'sais. Non, c'est le ça. Fun le Noël là, chez vous t'as des cadeaux mais comme les trois soirées ou après c'est des chez mon oncle ma tante que t'as pas de cadeaux. Eux autres sont full contents d'être là. Ils font, on a eu du fun. Toi, t'es comme, ben, je le sais pas. Mes cousins, ils ont 10 ans de plus que moi. Ils sont partis avec leurs amis. Là, moi, j'étais tout seul en bas. On s'en allait pas. Personne ne m'a donné de cadeau. C'était vraiment plate. Ouais, toi, tu fais, on veut se rappeler du Noël d'antan. Tu fais, oh. Ça dépend, c'est ça. Pas, tous les Noëls ne sont pas égaux. Mais non. C'est non. Ça. Mais bref, en tout cas, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est un peu le message qu'on essaie de passer que Noël, ça peut être le fun si tu choisis que ça soit le fun. Mais là, d'ailleurs, c'est quoi votre prédiction pour cette année? Y a-t-il un Noël cette année ou ça va être un autre confinement Legault? Ben non. Je pense que là, on est clair là, parce qu'on approche quand même. Là, mais ouais, tout peut virer vite, mais
faudrait que ce soit vraiment ouais. vite. Là, parce, ouais. Que, ouais. parce que là, on est quand même mi-novembre. Fait qu'on risque d'avoir un plus vrai Noël. Je pense. Oui, oui, oui. Ouais, mais je pense ouais. qu'à tout prix, parce qu'il sent même pas, tu sais, c'est un peu, il y a même encore là, comme là, c'est fini le confinement, tu peux même pas rester chez vous le deux jours. Non, mais c'est ça, que... tu t'isoles même genre, plus. Genre, ça, c'est comme, au pire, ça, aller, ça m'en est, tout se repousse en avant, c'est genre janvier, tout le monde va être malade, mais là, ils vont être après les fêtes, pour prendre rien, on a plus faire. C'est parce qu'aussi, annuler Noël, genre le 20 décembre, ça va être comme bien trop compliqué, là, les gens vont capoter. Mais l'année passée, c'était le 16, hein? Moi, j'en rappelle ouais. parce qu'on mais... était en show. C'est le 16 décembre qu'ils nous ont annoncé qu'on n'avait ouais. pas Noël. Puis c'est vrai qu'il y avait quand même plus de restrictions à ce moment-là. On était déjà. Maintenant. C'est ça, là, on est comme un peu free for all. Fait que les gens, oui, je pense qu'ils ne reviendraient pas facilement. Moi, je pense qu'ils annulent Noël le 20 décembre, mettons. Le monde va faire ouais, ouais, puis ils vont le faire. Ils vont, c'est ouais, ça. Ouais, c'est les sûr. Gens vont capoter, puis ils vont faire. Noël, c'est un droit acquis. C'est un droit ça, acquis. Finalement. Ben, c'est ça, exact. Mais ben, tu te rends compte que c'est peut-être aussi parce que, genre, personne n'a jamais de break, puis là, il y a peut-être un break de quelques jours. De travail. Ouais. Fait que tout le monde est comme « Enlève-moi pas Noël! » C'est tout ce qui reste. Que, en tout cas, mais moi, j'ai pas l'impression qu'on s'en ligne vers ça. Puis là, la huitième vague aussi, ça a comme finalement été pas grand-chose. Fait que je pense que ça se peut. Mais tu sais, aussi, il a fait chaud jusqu'à maintenant. Là, il va commencer à faire ouais. fret. Ça peut dégénérer, mais j'ai l'impression qu'ils vont maintenir la possibilité. En fait, ça va pas dégénérer assez. Pas assez. Ouais. C'est, tout le monde qui travaille dans les hôpitaux vont être morts, raides, là. Ouais. Mais genre, ça sera pas... En tout cas, j'ai l'impression. On verra peut-être que finalement... Moi, t'as-tu qu'elle me gosse? Parce qu'elle fait de la lumière. La flash. Je peux l'éteindre. C'était j'avais... pas si Noël que ça, ouais, finalement. Non, mais c'est parce que... Genre, c'est toi le plus dark. Non, mais j'aime ça, les lumières qui font de quelque chose. Mais ça, c'était comme plus piste d'atterrissage. C'était trop... C'est trop. Tu sais, si ça faisait genre... Ding, ding, ding. Ding 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 sur YouTube de, tu sais, là, les vieilles guirlandes qui faisaient de la musique. Oui, là. J'en avais avant. Aïe, c'est apaisant, ça. Non, oui, c'était tout le temps. Ding, 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 ding. Non, mais comme quand il n'est pas trop fort, tu sais, puis il y en a des vraiment apaisants. Ouais. Moi, celle que j'avais, c'était intolérable. Tu pouvais pas la mettre. Ah ouais. Genre, je me disais, je vais mettre la musique une fois, puis au bout comme de deux minutes, t'étais écœuré. Tu as trouvé une guirlande apaisante? De Noël, oui. De relaxing. Non, quand tu parles, je vais le trouver. Relaxing girl. Oh, il y a juste ça qui m'intéresse. Non, attends, maintenant, ouais, tu nous en as parlé. Okay. Je veux ma guirlande apaisante. Ouais, c'est maintenant. Je peux apaiser, là. Je me sens tendu. Ouais. Est-ce ma guirlande? Le stress. Est-ce que t'écris? Mais moi, j'ai pas connu ça. Moi, je parlais de non, ça. Je cherche une idée. Je suis pas trop certain, mais peut-être qu'en le voyant, ça va. Moi, ça m'a juste fait penser, genre, au poisson qui chante. Et... Ah ouais, c'est tout ce que j'avais. Ça, c'était bon, ça. Fait que le ça, poisson qui chante, c'est un peu la guirlande. Ça, c'était drôle. Ça, c'était ça. Bon. Parce que ouais. ça, tu vois, tu sais, il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Ils ont fait ouais. un moule, des plantes, le kit. Ouais. Ils ont bâti une usine. Ils l'ont fait en crise parce que c'est pas une affaire que tu fais tout seul puis non. tu vends 25$. Non, sinon, tu vendrais beaucoup. 2000. Il y en a eu vraiment beaucoup. Puis là, ça, maintenant, ils sont scattered all across America. Ben, personne n'a remplacé les batteries puis juste dans le fond du garage. Il y en a d'un chalet partout. C'est les murs d'un grenier. En tout cas, je trouve que c'est plus drôle que Marbois-Lard. Oui, c'est ça. Ça c'est parce qu'au moins, le poisson, il a réussi à script éditer, c'est genre 10 secondes. C'est ça. Au moins. Il s'en tient c'est à son vrai. Sujet simple. Son hit. Ouais. C'est Don't vrai. Worry, be happy, d'habitude. Je me rappelle même plus, mais c'était probablement quelque chose. Oui, il me semble ça. Take me to the river. Ouais, tu sais, genre, c'est ça, des petites de plaguettes aussi de poisson. Moi, ouais, c'est ça. Moi, ça sonnait souvent de même. That I've had since 1994. Mais tu vois, moi, quand t'as dit qu'Irlande, j'ai pas imaginé des lumières. J'ai imaginé comme un morceau de sapin. Là, effectivement, là, c'est un peu agressant. Ouais. Moi, c'était une de même que j'avais. Ouais, c'est ça. Il y a un petit chime, hein? Ouais. Juste un petit... Non. Puis là, elle change de tune. Hey, ça, c'est pété raide, ça. C'est un peu, c'est ça, c'est le fun, deux minutes, puis après, t'es comme, ouais, non. Ouais. Puis là, tu l'éteins. Mais c'est comme le Noël de John Carpenter. mais je trouve que, mettons, à l'extérieur, si, mettons, tu prends une marche, quand même apaisant. Dehors, ouais. Vu que là, il y a comme, c'est au loin. Imagine, tu marches dans une ruelle le soir, puis t'entends ça. Ouais. Non, mais c'est parce que ça vient que des lumières aussi, puis là, tu regardes, mettons, genre, le sapin. Là, c'est tranquille. T'entends rien parce que la neige camoufle le son de ça. Ouais. C'est plus agréable que la maison. Tu sais, la maison dans genre
attends, c'est l'accordaire, puis Saint-Zotique. C'est ultra décoré. Ouais, ouais, oui, que tu vas là, puis la musique à blast, ouais, puis t'as plein de LED, tu sais, les lumières, c'est ça. Ouais, ouais. C'est rochant, là. Orchestra quelque chose, là. Je crois qu'il y en avait des vidéos de ça de YouTube, là, c'est comme... Tantanana, puis c'est genre... 30 Sibérian Orchestra, là, puis c'est comme ouais. Ça. Ah oui, ça, trop, c'est là. Du gros Noël. Ah, barnouche. Ça, c'est non. Les tunes de Noël épeurantes. Mais c'est comme ceux à Halloween aussi qui font comme, tu sais, une maison hantée un peu. Avec leur... ouais. Ça, c'est il y a cool. Des hosty speakers, puis là, t'as comme genre la tune de Thriller. Moi, j'aime mieux quand ils mettent genre Halloween ambiance, là. Ouais. Parce que t'entends comme des ouais, j'aime ça. Puis une porte louée. Imagine si ta guirlande de Noël, c'était la toune de Chicone, là, tu sais. Mais tiens, c'est juste ça. Gaffa! Have a Mary! Ce qui manque, c'est genre un disque d'ambiance de Noël, qui c'est pas des tounes. C'est des sons associés à Noël. T'entends comme le feu. Le feu, mais on a la vidéo de feu de foyer qu'on écoute. Ouais. Ouais. Des enfants au loin, ouais. Des grelots un peu comme... Du papier d'emballage qui crinkle. C'est ça, comme un peu. Puis là, c'est pour avoir comme une genre de maison de Noël plus. Là, les enfants viendraient. Puis là, on pourrait leur donner genre des betteraves, des marinades. Tu sais, comme on refait l'Halloween. Dans le fond. Okay, l'Halloween 2. Ben oui, l'Halloween avec les betteraves. Puis les betteraves. C'est parce qu'on donne pas des bonbons, on donne des produits de Noël. Là, OK, des betteraves, c'est Noël. C'est Noël. Ben oui, les betteraves. Avec c'est une des fois qu'il y a ça. Okay. Les petits marinades, de les petits oignons sûrs, les petits oignons sûrs. C'est le temps des fêtes keb, en tout cas. Les attaquas. Les attaquas. Des petits sandwichs en triangle. Oui. C'est ça, pas de croûte, puis tout ça. Toi, c'est ça que tu manges à Noël? C'est-tu ça, toi, pour toi, le Noël québécois, c'est ça, mettons? Ben, c'est ces genres de recettes-là, ouais, mais pas exclusivement ces recettes-là. Tourtières, tout ça. Ouais, ben, dans ma famille, ils en font tout le temps un petit peu, là, de tout ça. Ma mère aussi, elle fait tout le temps ça. Exactement. Tous nous autres, on s'en fout, on mange la lasagne. Oui, mais vous autres, vous êtes italiens. C'est juste à cause de ça qu'on aime manger. Vous n'êtes pas très intégrés. Bon. Non. Non, on ne pose pas le test des valeurs. Non, mais tu sais, nous autres, ça va arriver, on va manger de la raclette ou on va manger genre de la fondue. Ah ouais, ça, fondue et raclette, ça a comme pénétré le monde de Noël Québec. Ouais, ouais. C'est comme une option. Avez-vous vu la personne qui a réinventé la fondue? J'ai pas cliqué là-dessus. Mais j'ai pas caché comment qu'il a réinventé. Chris, c'est juste un hot pot. Il n'a pas réinventé. Il n'a rien inventé. Les Asiatiques font ça depuis fucking longtemps. Mais c'est quoi qu'il a fait? Il y a juste des paniers au lieu de. C'est des paniers avec des petits trous. Que tu fais juste comme soaker dans le bouillon avec tes affaires dedans. Puis comme ça, tu peux pas perdre. T'as pas de fourchette qui s'emmêle, puis que tu sors ta fourchette, puis le morceau, il est plus au bout. Réinventé. Il a tout réinventé. C'est comme un tisane à la viande, là, dans exact, le fond. Ouais, mais c'est moi, je suis allé manger une fondue à un moment donné dans un restaurant vietnamien, puis c'était ça. Là, ben c'était oui. Genre des petits paniers de même comme ça. Là, que tu fais juste mettre dans le bouillon, puis tu le sortais, puis là, tu mettais dans une feuille de riz. Mais dans le fond, il était au même restaurant que toi, puis il a réinventé. Il y a pas ça, nous autres, dans nos Canadiens terres. C'est juste un hot pot. C'est comme le gars qui a réinventé, genre, la fourchette à une dent. Tu fais non, c'est des baguettes. Il a complètement réinventé la fourchette. La fourchette. Un seul morceau de bois. C'est ça. Mais sans piquant, t'en prends deux. Je vois le genre. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Écoute, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. On a fait le tour de la fondue. Ouais. Ouais. Ça, il est factuel. Mais vous avez un épisode fondu. On a un épisode. Vous devriez en refaire un avec la fondue réinventée. Là. Vous tenez pas le choix d'essayer ça. Ben, puis aussi, on n'a pas fait fondue au fromage. Ça, c'est bon. C'est la meilleure sorte de fondue. C'est la meilleure sorte de fondue. Fondue chinoise, c'est pas grand-chose. Si on fait ça, on en a un pour chaque personne à la table. Tout le monde a une fondue au fromage. Ouais, un miam. Même le public. Le public a une fondue au fromage. Le seul problème avec un podcast fondue au fromage, c'est que t'as genre 45 minutes and then you die. Ouais. Comme il y a une fin à ce repas-là, puis il n'y a pas de suite. Il n'y a pas comme après. Possibilité d'arrêter de manger quand c'est le moment d'arrêter. Non, ben non, ça, parce c'est que impossible. C'est super bon, puis là, t'en manges c'est plein. Limité. Ça, on dirait que ça va pas tout bien ensemble. C'est comme pain-fromage, je bois pas de l'eau. C'est pas bien balancé. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça, c'est l'eau. Pas bien balancé comme repas. Non, c'est juste du pain puis du fromage, puis t'en manges une bien trop grande d'abord, quantité. D'abord, l'épisode pita humus. Oh. C'est moins festif. C'est moins festif. Mais tu sais, des bons pita, là, mou, là. Ouais, ouais. Là, mais c'est super bon, mais. C'est... Des bons humus. Des bons humus. Ben, l'humus mou. Épicé, l'humus betterave, tu sais, il y en a. Oh, ouais. De le babaganouche. Le babaganouche, effectivement. Ça, c'est quoi? C'est aubergine? C'est aubergine. C'est aubergine. Ça, j'aime ça. Ah, ouais. Genre, ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé ça. Ah, moi, c'est ma collation de facto. Genre. J'aime bien. C'est ça que je mange en collation. Comme ça.
Non, avec un pita. Au doigt. Oh, directement. Ouais, hey. Je vais me prendre trois doigts de Baba Ganoush. Oh, non, l'autre main, excuse-moi. L'autre main. Ouais, ouais. Attends, faut que tu checkes tes affaires. Ouais, ouais, tu double de main pas, là. Ben non, ben non. Double de main, c'est ça, exact. Mais tout est, mettons. OK, mais là, qu'est-ce, OK, moi, je veux savoir qu'est-ce que tu fais à Noël, toi, mettons. Ah, comme recette? Là, cette année, non, mais qu'est-ce que tu prépares? C'était-tu genre, t'as un souper avec ta blonde, puis après ça, t'as un souper dans la famille, puis là, ouais, t'as ben, un autre famille. Tu fais-tu plein de soupers de même? Ben, j'ai comme le gros souper. Mettons, j'ai un souper avec ma famille plus roche, mettons, mes parents. Après ça, j'ai des soupers avec la grande famille du bord de mon père. Puis après ça, du bord de ma mère, des fois, on fait des affaires aussi. Fait que t'as puis minimum sinon, trois. Ouais, non, minimum trois, deux, peut-être minimum trois. Minimum trois, peut-être quatre. Mais genre, quand même, ça, ça lève quand même. C'est pas tout le monde qui a quatre parties. Là. Moi, mais j'en ai plus quatre. Il y en avait à un moment donné, mais là, tu sais, à un moment donné, il y a du monde qui sont fait. Bon, j'ai plus le goût de parler. Là. Mais c'est parce que aussi, tu peux combiner avec le nouvel an, tu sais. Ouais. Parce que ouais, que ouais. Fait que là. Fait que tu fais aussi le nouvel an? Ben, il est comme inclus là-dedans, c'est là, ça. Dans la famille. Il peut être dans la période entre Noël et jour de l'an. Comme il m'a appelé, la période Marc-Hervieux Gandalf dans le bois. Ouais. Période floue. Il y a de flou. On sait jamais ah oui, quel jour quoi, on est. Exact. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, dans ce sens-là, ça, c'est une période que j'aime. J'aime beaucoup plus la période entre Noël et jour de l'an que Noël et jour de l'an. Les limbes du temps des fêtes. Les limbes du temps des fêtes. Où tu peux vraiment disparaître deux jours. Ouais. Personne ne te cherche. Puis ouais, tu fais mais ce que tu on veux. Disparaît constamment deux jours, nous autres. Ouais, ouais, mais pas dans ta tête. Comme, ouais, ouais. C'est ça, c'est que là, dans ces jours-là, tu le sais. Il n'y a pas. C'est pas un. Ouais. C'est pas un déni. C'est pas une disparition qui. Cache quelque chose, c'est juste. Non, mais ça prouve aussi que c'est pour ça que des fois, t'as beau avoir congé le lundi, il a pas congé, lui, puis ça se sent, ça. Ouais. C'est un feeling. Fait que même moi, dans ma vie, où des fois, je peux avoir congé à des places, puis effectivement, je peux disparaître un peu, mais la vie, elle, disparaît pas. Là, la vie, elle disparaît. Ouais, ouais. Exact. Ouais, il y a rien qui est attendu de toi, il y a pas de courriel qui se fait envoyer. De personne, puis ça fait du bien, ça. Il y a comme un poids qui est soulevé de nous. Je pense qu'on aurait besoin de cette semaine-là par mois. Moi aussi, je suis d'accord au bout. Ouais, ouais. Par mois, il y a une semaine. La dernière semaine du mois, c'est comme... Bye. Plus rien qui se passe. Plus rien qui se passe. Là, tout s'arrête. Ouais. Un confinement par mois. Mm-hmm. Mais ça pourrait être... On diminue la production, on décélère. Chris, on produit tellement de cochonneries qu'on pourrait vraiment prendre une couple de semaines off. Il y aurait une semaine par mois, il y aurait 12 semaines, genre... Bye. Ouais, ça serait un bon départ. 3 mois. Ça serait un bon départ pour se rendre jusqu'à la semaine de 4 heures de travail. Parce qu'il va falloir aller par boucher. Là, le monde, ils sont pas prêts. Là. Mais non. Il va falloir, c'est ça, une semaine par mois. J'aime ça, une semaine par mois. Puis peut-être même justement pour émuler Noël, tu sais, à chaque fois, mettons, tu fais 3 semaines du mois le plus normal. Puis là, il y a une fête. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a une semaine comme libre. Puis après ça, il y a une autre fête. À la fin. À la fin. Pour... Là, ça nous faudrait s'asseoir puis se trouver des bonnes fêtes. Oui, là, on peut faire plein d'autres affaires. Parce que tu sais, si Noël, c'est le fun, c'est pas la seule affaire qui peut être fun. Faudrait là. Célébrer comme un peu le mois, j'ai l'impression. T'sais, ouais, comme... festival de la saison, un peu d'où ce qu'on est. Mais je pense qu'à l'Halloween, on devrait avoir congé. Ouais, déjà. Oui, fait que déjà, là, on pourrait faire une semaine d'Halloween. Une semaine d'Halloween, exact. Oui, oui. T'sais, en septembre. Puis moi, je changerais l'Halloween aussi pour pas que ce soit le 31 mai, genre le vendredi, le dernier vendredi. Ça serait plus comme mois. Le 23, mettons. Ben, c'est toujours le dernier vendredi du mois, mettons, tu sais. Ben, en fait, c'est que s'il y a une semaine de congé, on s'en fout. Ouais, non, c'est ça, c'est plus important, c'est vrai. Parce que le 31, là, quand ça tombe un mardi, fêter l'Halloween le mardi. Mais c'était en congé. Mais c'était en congé une semaine. Oui, oui, oui. Là, mais est-ce que le congé, il finit, tu sais, tu recommences à travailler le 1er novembre? Ou c'est comme la semaine? Mais je pense que dans le sens-là, bouger l'Halloween au 23-24, commencer la semaine avec l'Halloween puis la finir avec un autre c'est affaire. C'est la semaine d'Halloween, c'est ça. Ouais. C'est la fin de l'Halloween, un peu le nouvel an de l'Halloween. Comme. Peut-être que ça devrait être ça, l'Halloween. On se déguise, mettons, en monstre pour aller chercher des bonbons puis la semaine d'après, au on début se met de la les semaine. Beaux puis on va les reporter. Ah. Wow, comme le contraire du monstre qu'on était. Ouais. Un peu, genre, c'est ça. L'évolution comme un peu plus féerique du monstre. Ouais, ça. J'aime ça, je trouve ça le fun. C'est positif. C'est positif, mais c'est tout aussi dans la moindre production. Fait que tu sais, comme on a vécu le fun d'avoir les bonbons, d'aller chercher. Mais là, on va les reporter l'année prochaine, tu leur donnerais même. OK, c'est comme des bonbons jamais. Props, là, dans le fond, juste pour faire le geste, comme une fausse cigarette ou... ouais, exactement. c'est comme une vape. On vape l'Halloween. Fait que dans le fond, il y aurait peut-être un marché de genre de bonbons en plastique, un peu comme les fruits en plastique. Peut-être. Ouais. Mais ouais, même là, non, le plastique, je pense qu'il faut arrêter. OK, ouais. Quoi qu'en même temps, si on utilisait le plastique là, qui, comme, qui est tout dans l'océan pour faire ça, puis après ça, on les garde, qu'on s'en occupe, c'est mieux. Ouais, là, c'est là, ça, guess, on pourrait faire ça, je pense. Mais tu vois, mettons, ça, c'est une bonne idée pour l'Halloween. Après ça, qu'est-ce que tu feras en septembre, mettons? Ben là, c'est la rentrée. Fait que, on pourrait thématique rentrée, la thématique de l'apprentissage, savoir. Ouais, les pommes. Les pommes. Les pommes en septembre, me semble. C'est en septembre, mais moi j'ai eu ça, les pommes. Hein? C'est quoi?
devrais faire de quoi avec septembre? Es-tu un gars de poire? Non. Je suis comme pas vraiment fruit. T'es pas fruit. Oh! Pas fruit! Pas trop fruit. C'est un peu, là, mais les baies, mettons. Ah, les petits fruits, les pires. Moi, j'aime mieux les baies. C'est pas vrai, ça, que c'est les pires. C'est pas bon. C'est pas meilleur. Les bleuets, les framboises, c'est ça. Ça pogne dindan. Ça pogne dindan. Voyons, la mangue, ça pogne dindan. De quoi tu parles? La mangue, la moitié de la mangue est dans tes dents. Les pommes, ça pogne dindan. Les pommes, c'est overrated. Ça n'a pas rapport, là. Faut en venir de ça. Les tartes. Les croustades. Ouais, ça, oui, mais je parle juste manger un fruit, là. Prendre poignée de la pomme. Fresh. C'est plate, ça. C'est raide. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tarte puis croustade, c'est bon. Mais, tu sais. Juste le fruit. Ça, c'est parce qu'on aime les desserts. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est okay. Parce que là, on rajoute plein de sucre puis de la pâte. Fait qu'of course, là, n'importe mais quoi. Mais je suis pas d'accord parce que nous, on vit dans le monde où ce que les pommes sont overrated. Ouais. Il y a pas tant d'autres places où ce qui capote, c'est pommes. Nous, c'est juste ça qu'on a. Mais c'est parce qu'on a besoin d'avoir nos affaires. Fait qu'on arrête pas de se répéter. C'est bon, les pommes. Fait, oui, ça va, là. C'est pas, là, si bon, c'est pas écœurant. Tu le sais qu'au Québec, on a le fromage en crotte, hein? C'est le meilleur! C'est nous, ça! Ouais, mais c'est comme ça qu'on réussit à exister dans un monde capitaliste. C'est ça, on a besoin d'avoir notre appellation. Le fromage en crotte, c'est nous. Non, non, les pommes, moi, je trouve ça bon. C'est bon, mais ben oui. Honnêtement, mais mettons, si t'avais des ananas moyen. Aussi, tu me parlerais jamais de ça. C'est ben sûr non, que mais si j'avais c'est notre orange, comme. C'est ça. Ça devrait être plus ça, là, tu sais, le jus de pomme, ça devrait être kiwi, ça pas mal partout, plus que le jus d'orange. Peut-être que là-bas, ils sont comme les oranges, ils sont plus capables. Tu sais, la semaine au Québec où il y a des bleuets, là, personne parle des pommes. Non, c'est ça. C'est comme là, on est 100% bleuets, on est tellement... C'est juste que ça dure pas assez longtemps, cette saison-là. Ouais. C'est pas long, là. Les fraises du Québec. Ouais. Hein, ça, on n'en a pas. On fait-tu des bonnes fraises au Québec? Hey, on fait-tu ça? Ouais, ils sont bonnes, nos fraises. Ils sont chers, mais ils sont bons. La bonne télé. Le fromage, la télé, les fraises. C'est ça qu'on fait. Les albums de Noël. L'humour. Ah, l'humour au Québec. C'est un cadeau des dieux, ça. Ouais, de Noël. Moi, j'ai une idée pour septembre, par exemple. Septembre, on pourrait juste faire reverse septembre, où ce que... Il y a un jour de travail, puis c'est la fête du travail, puis le restant, c'est congé. Puis là, ça met vraiment en valeur le travail. Okay, ouais. Ah ouais. C'est le mois du parce travail. Parce que cette journée-là, c'est la seule journée où on que tu travailles. Ouais. Puis on fête aussi en travaillant, comme. Mais oui, c'est sûr, c'est la fête, là, c'est le party. C'est le party de bureau. Siffler en travaillant. Exact. Ça arrête. Ça serait bon, ça. Mais là, en tout cas, moi, tu vois, je trouve que c'est toutes des bonnes idées, mais le monde n'est pas prêt. Non. Là, on pourrait faire un die-hard de la fête du travail, donc. Ah, oui. Ce serait bon. Un party de bureau. Une prise d'otage. Une petite prise d'otage en septembre. C'est ça. Comment fêter le travail? Exact. Autrement, la prise d'otage. Qu'en étant pris en otage. Vraiment bien. Prise d'otage de septembre. Novembre, il faudrait fêter la noirceur, je pense. Le festival de la nuit? Oui. Fait que comme personne n'est debout quand il fait soleil, tout le monde se lève quand il fait la nuit. Tout le mois? Non, la dernière semaine. Novembre, okay, on devrait changer l'heure pour vrai. Ouais. De 12 heures. Ouais. Juste pour un mois. Là, tu sais, tant qu'elle a changé, hey, là, on la change au complet. Puis là, c'est correct, t'as congé. Là, oh oui. Mettons une semaine, c'est ça, la fin de la semaine, mettons, ouais, la journée qu'on a changé l'heure, on la change. On mais pourrait la changer comme random. Genre, à chaque année, on spin une roue. Tu lances un des 20, puis là, t'ajoutes ça. Ou une balle, tu sais, il y a la grosse roue qui tourne là, cette année. Fou! Oh, plus l'heure 8. Du Cambodge! Ah, mais il y a aussi, j'aille pas le dire si c'est personnel, tu sais, tout le monde roule son dé. Puis là, c'est ça qui est le fun, c'est de voir, ah, vous, qu'est-ce que vous avez roulé? Puis là, ils viennent de se lever, il est 9h le soir, puis on est comme, hey, la famille de Gaétan. C'est drôle cette année, ils sont cute, ils sont debout, ils se font des crêpes, bonne nuit! Mais ça ferait que ça serait peut-être plus facile de délire que la noirceur, parce que là, on dirait que c'est on se fait pogner avec ça à chaque fois. Ouais, je comprends pas pourquoi on continue de faire ça, c'est ridicule. Yeah. Mais pourquoi on décide que c'est mieux de gagner une heure de soleil le matin versus le soir? Mais c'était mieux à une époque où il y avait genre... Pas de lumière. Pas de lumière, c'est ça, puis que le monde travaillait tout le matin, puis pour les fermes. C'est arrivé le changement d'heure pendant la guerre pour augmenter la production. Puis que les villes soient plus... éteinte le soir. Mais il y a plein de pays qui ne changent pas l'heure. Le Japon ne change pas l'heure. Ben, il y a plein de pays qui changent l'heure puis qui arrêtent. Là. Maintenant, c'est un peu ça la tendance. Oui, là. Comme tout le monde se dit, ouais, en fait, ça n'a plus rapport. Mais les woke. Petit à petit, ouais, les woke veulent tout changer. Ouais. C'est ça, ils viennent nous imposer leur heure. Ouais. C'était pas de même dans mon temps. Ouais. Non. Dans mon temps, il fallait aller au dépanneur à pied pour demander l'heure. L'heure avancée, ça le dit. Vous voulez reculer, eux autres. Moi, il y a un de mes amis qui a pris un boss pendant deux jours pour savoir l'heure. Je l'ai jamais vu. C'est loin.
Mais moi l'heure, j'aime... ça se méritait dans mon temps. Mais tu vois, cette année, moi, l'heure, ça a bien été le changement d'heure parce que j'étais dégueulasse. C'est ça, exact. Déjà. Tu te couchais à 5 heures. Je me couchais à 5 heures. C'était une drôle de phase parce que moi, j'étais déjà déphasé par rapport à l'heure qu'il y avait déjà. Ça t'a déjà pas fessé les journées à cette heure, les réveils, tu sais, où tu as peur à cette heure-là parce que tu te lèves plus tard. Il y en a déjà pas beaucoup. Fait que là, t'es comme... Oh, je me suis réveillé à midi, puis là, il est 4h30, puis il commence à faire noir, puis t'es comme Chris. Sûrement qu'au final, ça m'a pas aidé, mais j'étais déjà tellement un peu déphasé que je l'ai pas senti, puis dans ce sens-là, je trouve que c'est un truc. Je vous le partage comme un bon truc pour pas dealer avec le changement d'heure, c'est juste, soyez complètement chaotique, pire mode de vie. Bonne idée. Merci. Regarde, à ce temps, tu te couches plus tôt, tu te couches à 4 heures. Oui, non, mais hey, tu vois, là, hier, c'est toi qui t'es couché à 4h. Moi, hier, là, je savais là, qu'on s'en venait à matin. C'est-tu quoi? T'étais raisonnable? À 1h30, j'étais dans le lit. Wow! Mais. Non, mais pas si pas une petite demi-heure. Puis, tu sais, moi, je lis souvent une petite demi-heure avant de me coucher. Ouais. Je trouve ça dur de se coucher puis de s'endormir. Comme... Ouais. J'aimerais ça être cette personne-là qui fait bon, je vais me coucher. Puis le clock. Non, mais même pas juste de. Je veux dire, on dirait qu'il y a quelque chose qui marche pas pour moi de comme aller m'étendre. Que c'est ça l'intention, tu sais, aller se brosser les dents. Puis juste aller m'étendre, faire fait bonne nuit. On dirait que ce qui me manque, là, c'est quelqu'un qui dit bonne nuit. Ah, ben c'est ça. Parce que c'est ça, là. Mais là, c'est-tu parce que t'es gay? Ouais. Ta famille, t'aimes-tu? Ou... C'est ça le problème? Tes parents, ils t'aiment pas? Ouais. No! I've just been rougeau. Non, mais juste la méditation un peu, là, se concentrer sur sa respiration, puis comme checker son corps, laisser aller, faire du yoga. Mais ça fait comme un moment très weird avec toi-même quand même, parce que... Mais ça prend pas de temps, là. Tu peux t'endormir assez rapidement. Moi, c'est pas le moment que je maîtrise le mieux. C'est un drôle de moment, ça. On dirait que c'est quand je vois la petite faire ça. Ouais, je vais pas m'endormir. Ouais, tabarnak, man, j'ai tellement le goût que ça arrive, ça. Comme, ouais, ça moi, comme, je veux m'endormir! Puis là, ça arrive pas. Puis là, non, mais lire, moi, je trouve ça bien. Parce que justement, au lieu d'avoir ton discours ça, dans ta tête, t'as le discours de quelqu'un d'autre, là, on dirait que tu t'habites comme d'une histoire, de peu importe là, ce que tu lis. Puis aussi, c'est quelque chose à un moment donné, il y a une fatigue. Il y a une fatigue, aussi, ouais, une fatigue qui s'installe. Ouais. Puis c'est ça que t'as besoin pour t'endormir. Mm-hmm. La fatigue. Non, ou des médicaments. Bon mais tu sais. Ouais, mais la fatigue, c'est gratuit. Moi, c'est ça qui a fonctionné, c'est les meds. Ah ouais, hein? Ouais. Parce qu'avant, j'étais... Toi, t'étais un insomniaque notoire. Oui, insomniaque. Tu sais, parce que je travaille une job à temps plein, fait que fallait que je me lève de bonne heure, mais je me couchais bien tard, puis je m'endormais pas. Malgré, mettons, l'accumulation... Je me réveillais d'ennui, puis... Malgré l'accumulation de fatigue, mettons, t'arrivais pas plus à dormir. Mais... Ça doit être frustrant, parce que tu sais que t'es fatigué, puis dans le jour, c'est le pire, ça. Tu veux comme mourir un peu, là, genre, tu irais dormir dans les toilettes, là. C'est ça, puis là, tu te dis, ah, en fin de semaine, là, je vais me lever plus tard, là, je vais récupérer. Tu sais, tu te couches à 3 heures, mais tu te réveilles quand même à 7 heures le matin, t'es comme... Ça, honnêtement, c'est mon cauchemar de comme... Tu sais, le réveil, je peux plus me rendre... Moi, je suis vraiment bon pour continuer à dormir. Calisse que je suis pas bon, moi. Ah, moi, là, si je suis parti, je pars. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, je peux juste faire comme... Ah, il est midi, whatever. Tu sais, je me recouche un peu, je suis bien... Moi, c'est vraiment m'endormir qui est plus comme dur. On dirait que je suis tout le temps en train de faire. Moi, je pense que dormir, c'est comme un sport. Je suis aussi bon là-dedans que dans tous les sports, comme dans toute dans vie qui est sportif. Je suis pas très bon sommeil. Non, je suis pas un scoreur, là. C'est pas inné. Mais c'est-tu comme. C'est quoi? Tu te réveilles juste un moment donné, t'as comme un pop, puis là, t'es réveillé, puis ça marche. Je dors vraiment pas creux, j'entends tout, puis là, je suis pas. Ah, ouais, hein? Je l'entends, je le sens, je suis comme là, je suis pas en train de dormir pantoute comme du monde. Ah, c'est bizarre. À un moment donné, ça, des fois, ça me réveille, puis là, après, genre, je suis pas allé replonger, là, comme dedans. Il faudrait que je reparte une demi-journée pour. Puis là, genre, à un moment donné, c'est ça, la fatigue s'accumule. Tu peux pas juste te retourner, puis genre, te rendormir une heure. Non, là. On dirait que là, la tête, est à part, là, genre, là, comme il y a un moteur qui est parti crinqué, puis genre, que je le veuille ou non, il y a quand même un truc, je sais pas c'est quoi. Ça s'attache à rien, mais c'est parti. Là, ben, c'est parce que tu spines, là, tu sais. Ouais. Moi, c'était ça, là, je me levais. Je suis comme, là, il me reste combien de temps là, avant d'entendre mon cadran? T'es déjà là, parti. Ah, oh, non, là, faut que je m'endorme. Puis là, faut que je m'endorme. Mais pourquoi je m'endors pas? Puis là, tu te lèves. Puis, tu sais, tu fais juste une tu te parles dans ta tête, puis tu paniques parce que tu essaies de dormir puis que t'es pas capable. Ouais, non, c'est mais, ça. Ça a l'air. Ça là, les médicaments, ça t'a aidé? Écrit. Oui. Ah ouais. Les antidépresseurs. Ah ouais. Oui. Ça fait faire dodo. Une pilule qui m'a beaucoup aidé. Dans le fond, on le prend vraiment pour acquis quand on dort comme faut. Oui. Oui. Non, c'est vrai, c'est cool. Il y a au moins 2-3 jours par année où je me lève à 4 heures l'après-midi. Là.
après une longue séance de dodo, genre? Moi, tu sais, des fois, je suis comme moi, je suis fatigué, ça me tente de dormir. Et on est chanceux, là, quand même. Oui, vraiment. Ben oui. Mais là, tu te lèves, t'es tout scrap. Là, ouais, ça doit être bizarre après. Mais jamais. Après ça, c'est là, justement, que tu te commandes du petit Saint-Hubert, puis tu te pars un film. It's the best day of the year. Ça, c'est pas faux. Ouais. Tu sais, là, tu te lèves à 4 heures, tu fais wesh, puis là, tu déjeunes au restaurant, comme tu voulais. Ouais. La journée, celle d'échelle. T'écoutes deux films, là, tu sais, un avec Schwarzenegger dedans, obligé. Ben, là, le gentil qui est comme un édition de 3 un film avec Hulk Hogan. Ben ouais, pis comme let's go. Monsieur, t'es monsieur de Noël de Hulk Hogan. Tu manges ton poulet, tu t'endors un peu. Noël, se lever tard, Hulk Hogan. T'as une recette. Power Trio. Ouais, ou le vieux Mario Bros, là, tu sais. Ah ouais. Là, c'est bon, un là. Film d'après-midi. Ah ouais. Là. John Leguizamo, let's go. Là. Wow. Chris, juste un t-shirt. Là. John Leguizamo, let's go. Let's go. Mais ouais, je suis d'accord. Une fois par année, c'est bien. Du John Leguizamo. Ouais, ça fait, ben, c'est treat yourself un peu day. Là, c'est un peu la journée abandon aussi. Ouais, t'sais. Genre, hey, aujourd'hui, pas de production. Non, quoi je ne saurais pas ce qu'on attend de moi aujourd'hui. Je vais même pas répondre à rien. Bye! Fait que j'aime ça faire ça des fois. Puis ça, ça devrait être ça, l'esprit de Noël. Oui, moi, pour puis moi, ça devrait être légal. Oui, c'est décroché, oui. De se donner tout le droit. Let go. Plus de liberté. Moins. Hein, le go? Moins de confinement. Hein? Sont-ils fatigants? Moins de là, il décroche tranquillement, là, je pense. Là. C'est ça, là, un peu. Ben non, mais là, il cherche là, en ce moment. Non, là, mais là, il y avait comme il y a beaucoup de dissensions là, contre, ouais. Contre Steve l'artiste. Puis ça, oui. C'est temps-ci. Fait que quelque part, il y a quand même un fraction. Il y a des gens qui semblent se réveiller un peu. Alors, ironiquement, il disait que c'est eux qui étaient réveillés avant. Ouais, mais c'est ça, des fois, c'est ça un rêve. C'est, exact. Sûr. C'est drôle, ça. Compte, c'est vraiment pas avoir milité longtemps pour quelque chose de faire. Moi, c'est cool, après 2 ans, il se passe rien. Tabarnak, Simon! Ouais. Tu savais, il y a des gens qui militent pour juste avoir le droit de vivre, puis c'est pas fait, ça fait 40 ans. Genre, non, vous saviez pas, là, c'était quoi le plan? Là, hein? Chose, c'était pour aller au Costco. Ouais, c'est sûr que ça allait être long un peu. Là. Aller au camping. Mais j'ai pas trop compris pourquoi. J'imagine que c'est juste parce que le temps s'étire, puis là, il y a du monde qui se rend compte ou qui se tanne ou qui voit bien qu'il y a rien qui se passe. Oui, oui, exact, c'est ça. Ben, il y a du monde qui ont donné comme beaucoup d'argent, puis là, il y avait comme des promesses, là, dépendamment desquelles tu parles, là, mais il y en avait qui avaient promis que, genre, il allait poursuivre le gouvernement, puis que tout le monde allait recevoir du cash, un genre de recours collectif ça, contre le fucké, gouvernement. Par exemple, de genre, penser que, mettons, que le gouvernement est corrompu. Mais de le poursuivre à travers sa branche législative. Système, ouais, comme, ça, ça mais comme, ça, comment ça va marcher, ça? Ça va, parce que si ça. C'est vrai ce que tu dis et qu'il est corrompu, ben ils vont clairement te bloquer là. Là. Ouais, non, ouais, c'est puis ça. Aussi, de l'autre bord, il y a quelqu'un qui dit « C'est comme ça qu'on va faire, crois-moi. » Là, tu fais « Tabarnak. Ouais. » Bah, peut-être, oui, gars, écoute, je vais te supporter, mais comme 15 000 piastres, tu pensais que le gars, il avait un trick ouais. Pour non, poursuivre l'État, puis il n'a pas... Tabarnak, wow! Ben, son trick, c'était de couper le câble. Exact. Ça, c'est quand même... Ça, c'est pas, ça, une, c'est réglé, c'est pas une si mauvaise chose, en fait. Ouais, j'avoue que... C'est vrai, c'est une des affaires les plus sensées qui a été lancée. Dans mais ce... étonnamment... Les gens qui se faisaient crier ça, c'était généralement les gens qui avaient plus de câble depuis des décennies. Ouais. C'est rien que vous autres là, qui l'aviez encore. Ouais, c'est pour ça que vous en parlez. Arrêtez. Oui, c'est ça. Arrêtez de nous crier après, là, c'est correct. Vous autres, on entend parler du câble quand vous en parlez trop. C'est genre, ça. Moi, j'ai pas, je vois pas, là. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires là. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec les frères Tadros? Sont-ils encore en Floride, genre? Je sais pas. Je sais pas. On va, on va, on va, on va, on va. La liberté. Ça, c'était quand même un. Ça a passé vite, mais c'était un bon moment de la pandémie. Ouais, c'est ouais, ils vendaient des lots avec des bitcoins, mais là, ça, ouais. Ouais, ça a chié bien raide. Ouais, non, c'est ça. Ça n'a pas marché. Mais tu sais, Big Surprise, eux autres voulaient faire ça. c'est comme... ça. C'est, ouais, la, ouais, c'est la rencontre de la logique. Mais je le sais, vous lavez le pif, les gars, vous check-allez. Moi, d'habitude, vous, quand vous faites quelque chose, ça marche. Ça marche. C'est ça la vibe, frère Tadros. Mais tu sais, j'aime ça que. Quand même, dans ce moment-là, eux, c'est... Tu sais, je veux dire, tout le monde a vécu de quoi différent avec la pandémie, mais eux, ça a été ça, leur storyline, comme... Tu sais, il y a une crise majeure de santé publique. On va shiner. On va shiner, chanter, puis vendre des bitcoins de maison. C'est comme quoi? Attends, mais... Ouais, mais la fin, c'est qu'ils ont réussi quand même à ce qu'on les associe à ça. Fait que, tu sais, dans une couple d'années, quand on va repenser à la pandémie, on va dire, « Ah oh ouais, tu sais, les frères, t'as drôle. » Dans un sens, ils se sont inscrits dans l'éternité. La fois que c'était chicané avec Lucie Laurier. Attends, ouais, c'était ça. C'était-tu pas avec? Oui.
Au début, ils étaient comme ensemble, puis à un moment donné, ils n'étaient plus ensemble. Ah. C'était qui était trop radical là, pour l'autre? C'était les frères Tadros qui étaient trop smooth, là, qui permettaient trop d'affaires. Ouais, Lucie Laurier. C'est vrai qu'ils étaient smooth. Je trouvais que Lucie Laurier, elle exagérait, puis Lucie était très fâche. C'est drôle parce que dans les Golden Classics, on a parlé de Lucie Laurier qui trippait sur les chemtrails, puis les enfants. C'était comme précurseur de tout. Ouais, je me rappelle même pas. Elle a perdu les pédales ben raides. Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle fait à cette heure-là. On n'entend plus parler. Ça doit être dur, tu sais, parce que c'est plate. Revenir après. C'est dur de revenir de ça parce que c'est comme. C'est sûr, c'est humiliant. Ouais, ouais. Tu sais, versus plein d'autres affaires. Là, tu peux revenir de situations aussi humiliantes que ça de vie, mettons, dont tu te rends compte qu'il y a des gens pour moins que ça qui vont continuer de mentir toute leur vie. Oui. Tu es resté prudent parce que tu peux pas confronter. C'est difficile de dire, ouais, finalement, j'avais pas rapport. Publiquement, là. T'étais où c'est ça. Comment tu confrontes le fait? Non, on dit oui. Ah, c'était oui. Alors, mais c'est ça. Comment, effectivement, mentalement, tu confrontes le fait? Parce que c'est quoi que tu viens nous dire, dans le fond? C'est comme que t'étais cave, que t'avais pas raison. C'est un peu ça. Mais je pense qu'il y aurait moyen de le framer un peu en victime de quelqu'un d'autre. Là, parce que souvent, mais c'est pas faux, non. C'est ça qui arrivait, c'est ça. Il y a une couple de personnes, là, des gens de Alexis Cossette-Trudel, puis tu sais, ces affaires-là qui, eux, se payaient leur vie en ayant une tribune pour répandre des faussetés. Puis ils convainquaient du monde qui n'avait pas d'autres voix autour d'eux que c'était eux qui avaient raison. Puis là, t'embarques là-dedans, puis comme oui, c'est de ta faute aussi, parce que tu peux aussi comme te renseigner mieux, mais. Tu te fais dire par quelque chose par quelqu'un qui a de la crédibilité puis qui a une grosse tribune puis qui en parle souvent, puis là tu finis par te dire ben Chris, il a raison, tu sais. Puis ça s'installe petit à petit, là. Tu sais, moi j'en ai vu du monde sur internet qui ont comme commencé à embarquer juste un petit peu à la fois, puis à travers les mois c'est devenu gros. Mais Martin ça... Petit, ouais. Géant. Je sais pas si vous vous rappelez de Géant, le gars qui chantait Sauve-toi pas. Hey, sauve-toi pas, donne-moi mon bec avant de partir. Il est tombé creux, là. Je sais pas maintenant qu'est-ce qu'il fait. Hein? Mais tu sais, au début, ça commence par juste... Oui, il y avait des capsules humoristiques à un moment donné. Oui, hein, le book. Ouais. Ça fait assez longtemps avant. Là. OK, c'est ça. Mais oui, mais au début, ça commence juste par genre, tu crois-tu que le gouvernement nous dit toute la vérité? Évidemment pas. Puis là, ouais, c'est vrai. Tu sais, comme tout le monde est d'accord, je pense. Là, il y a personne qui va... Mais il y a ça qui est effectivement des fois pas adressé dans les médias qui un peu n'aide pas parce qu'effectivement, ça, c'est le bout... que tu pourrais leur donner, qui est un peu vrai. C'est sûr, le gouvernement ne nous dit pas tout. Ils nous le disent même, qu'ils ne nous disent pas tout. C'est sûr qu'ils nous disent pas tout. Ils font des meetings derrière des portes fermées, puis ils classifient des affaires. Puis ils sugarcoat des trucs, puis là, ils te disent t'sais, juste le morceau qu'ils veulent te montrer. Puis... Fait que là, à un moment donné, tu découvres une affaire qu'ils t'ont effectivement pas dit, puis qui est vrai, là, qui est prouvé qu'ils avaient caché ça. Puis là, ça sort plus tard, il y a comme un leak. Tu sais, ça s'appelle des scandales. C'est ça, il y en a. Fait que là, tu commences par ça, puis là, après ça, plus tard, c'est comme moi, mais si le gouvernement ne dit pas toute la vérité, là. Tu penses-tu que lui, ça fait pas son affaire quand, mettons, Pfizer arrive et qu'il achète plein de vaccins? Là, ça se peut très bien que Pfizer les paye pour dire que la pandémie est grave. Puis là, ça, c'est pas si far-fetched. C'est comme, ouais, tu sais, comme sûrement là, qu'on le sait qu'il y en a de la corruption puis il y en a des enveloppes brunes puis des scandales. Fait que ça se peut. Puis là, mettons, tu crois ça finalement puis tu te dis, c'est sûrement vrai. Mais là, un coup que tu es rendu là, là, c'est pas si compliqué d'embarquer. Un autre petit pas, puis à un moment donné, t'es en train de pointer les avions dans le ciel, puis crier au chemtrail, puis les tours 5G, puis c'est comme. Mais ça s'est tout fait petit à petit. C'est ça, c'est un escalier, puis, tu descends marche par marche. Puis à un moment donné, t'es entouré de plein de gens qui continuent à te crier cette affaire-là, puis qui répètent le même discours, puis qui vont un pas plus loin, puis là, on t'envoie une preuve. Là, toi, t'es peut-être pas full équipé pour analyser si une source est crédible, c'est une preuve de valeur. Tu répètes, là. Tu répètes ce qu'on t'a entendu, puis là, d'autres l'ont dit, fait que lui, il l'a dit, puis lui aussi. C'est fort, c'est ça, ces même, cinq-là, ils le disent toutes, mais ils le disent toutes parce qu'ils ont tout entendu la même personne le dire au début. Puis là, ils répètent tout. Fait que là, c'est pas cinq sources, en fait, c'est une source. Mais là, tu t'enfonces. Puis ça doit être tough de reculer après ça. De dire, ben, surtout que tout le monde autour de toi qui est plus sensé ont reculé aussi. C'est fait ça. Que là, c'est pas comme si t'avais grand-chose. C'est probablement que c'est là, c'est tous tes amis, là, c'est le monde qui pense comme toi. Ouais. Puis là, t'es pogné là-dedans. Puis les gens qui pensent pas comme toi, tu te chicanes avec eux autres. Puis là, tu coupes les ponts. Puis là, après ça, tu penses que c'est eux qui sont dans le top. Puis là, c'est tough de revenir. Mais ce qui est juste insane, c'est que c'est comme... C'est à 100% que le complot, c'est le capitalisme. Oui, exact. Lui, il est puis là. Vous êtes là. Transhumanisme, Maxime. T'es comme, non, c'est juste le complot de te faire fourrer de ta plus-value, puis de te faire louer un logement à 1800$, puis des gens qui payent pas d'impôts, puis qui mettent ça. Ensuite, ça, c'est ça, le complot. Mais on dirait, il est trop plate, lui, je pense. Le complot, on enferme des enfants pour te faire des T-shirts. C'est ça, ce complot-là. Présentement, c'est aussi bad que ce que tu dis. Ouais. mais juste.
réel, comme ouais, documenté. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça que je trouve plate. Je me dis, mon Dieu, ce monde-là, ils n'ont pas le goût de juste capoter là-dessus. C'est un vrai Noël. Hein, parce oui, que on parle de la pandémie. Puis après ça, vous autres, vous chiez sur le capitalisme. C'est un vrai Noël. Joyeux Noël. Hey, c'est le vrai Noël. Mais tu ne te sens pas dans ta famille. Non, ben oui. La vie différente. Il y a du monde qui chicane. Tout, écoute, on a ce problème, l'artiste de la ville. Tout, c'est ça. Tout est ami avec ça, les drag queens. Ouais. Ça, ça a scrappé mon Noël d'un enfant que j'ai jamais eu, ça, mais ça pourrait. Ouais. Mais non, t'as raison. On peut revenir dans l'esprit de Noël. Mais ben non, mais c'est correct parce que c'est vraiment dans les, c'est les discussions qu'on va avoir là, à chaque Noël. C'est ça. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, il va les manger. Ça, ben oh, ouais. Là, c'est Noël, c'est Noël. C'est de devenir encore plus Noël. Là, là, c'est fâché. Ça, c'est une des plus belles affaires de Noël. Tu vas trop loin. Il c'est Munchies, ben. C'est Munchies. C'est ça l'affaire. Regarde, je pense que ce qu'on va faire, c'est prendre une pause. Manger. Manger. Puis revenir avec du vrai contenu. Après le souper de Noël, on va faire les jeux de Noël. Les jeux de Noël exact. Après le souper de Noël. Exact. On pourra voler les cadeaux. Jouer à boulette, là, tu sais. Tant quelqu'un. Ouais. Là, on pêche toute une carte. Puis là, si t'as la même carte que l'autre, tu peux voler le cadeau de l'autre. Non. Puis là, on a un papier. Puis le papier, il passe. Puis à chaque fois, t'écris un chiffre. Mais il y a une personne qui roule un 2. Puis dès qu'elle pogne 6, elle continue d'écrire. Puis le premier qui se rend 100. Mais là, t'as des gants de four aussi. Puis là, t'es comme. Qu'on jasse, là. Parce qu'on veut pas se parler. Parce que tu vois, que parce ça donne qu'on quand va pas décevoir ma tante. C'est ça, c'est tout. Et on revient avec Noël après la pause. Break time. Gruau, je rentre pas au bureau. Je
fait bien du bretage. Oui, du bretage, puis du compactage après pour attraper le bretage. Ouais, je pense que ça pourrait être remonté. Oui, oui. Mais aïe, imagine. On trouve les bandes originales. Elevator. Il y a peut-être une tempête qui a retardé sa route. Mais qu'est-ce qu'il fait? Où est-il? Père Noël! Père Noël! Père Noël! J'espère qu'il va arriver bientôt. Écoutez, fée, écoutez tous, on m'apprend à l'instant qu'on a perdu toute trace du Père Noël. Mais monsieur le régisseur! Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est nulle part sur la planète, là. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Mais monsieur le régisseur! Hey, joyeuse fête! Bon Noël! Hey, joyeuse fête! Bon Noël! Hey, joyeuse fête! Hey, on s'est pas déjà vu? Ça se peut. L'intuition me dit qu'il s'est passé quelque chose d'étrange au-dessus de la Lune. Peut-être. On n'est sûr de rien. Capitaine, nous avons franchi le tunnel. Alerte jaune. Envoyez un message dans toutes les langues pour signaler notre présence. Hey, joyeuse fête! Hey! T'es complètement gavé de jus de limette. Hyperactivité. Hourra! Et voilà, c'est fait. Ici Darvader, commandant suprême de mon vaisseau. Qui ose me déranger pendant ma collation? Désolé. Ça va faire les oreilles. Vous devez trouver une solution. Oui! Content de vous revoir. Rendez-vous sur Titan. Je vous y attends sur Titan. Si j'ai bien compris... Grâce à ma boule de cristal, nous pourrons savoir immédiatement ce qui s'est réellement passé. Ça, par exemple! Mais c'est le Père Noël! Ouais, ça va être drôle! Bonjour, Père Noël! Je ne sais plus trop. Moi et mes reines.
pour nous retrouver ici. Nous pourrons retourner chez nous, moi et mes reines. Depuis, nous avons perdu notre chemin. Mais je suis sûr que grâce à vous qui nous attendent patiemment, afin de rejoindre... Avec grand plaisir, Père Noël. Merci. Merci encore et joyeux Noël. Oh, oh. Eh bien, voilà ce qui s'est vraiment passé. Je crois que cela ne sera pas nécessaire. Regardez. Car ce jour, les insoumis, ceux qui tout leur était permis, paieront du prix des cieux leur insouciance de la crainte de Dieu. Oui, les gens sur la terre jailliront de mon jour du puits de leur misère asséché de l'amour. Oui, les gens sur la terre jailliront de leur puissante lumière fait face au dernier jour. Car ce jour, les malheureux, les oubliés, les mal-aimés formeront dans le ciel une cohorte chantant et louant notre Dieu Tout-Puissant. Oui, les gens sur la terre jailliront de mon jour du puits de leur misère asséché de l'amour. Oui, les gens sur la terre jailliront de mon jour de leur puissante lumière faire face au dernier jour. Voilà. Un beau popsicle pour toi. On est de retour post-souper. Ouais. Ouais. Ça fait du bien. Je suis lourd de poulet. On a mangé du Saint-Hubert de Noël. C'est très noëlé, effectivement. Très noëlé. Une tablée. C'est vrai qu'il y a souvent du Saint-Hubert à Noël, je trouve, quand même. Ouais, c'est ouais. Dans l'esprit des fêtes. On peut-tu noter le Saint-Hubert? Comment vous l'avez vécu, vous autres? Bof.
Correct. Mais Saint-Hubert, c'est comme on en discutait justement. Là. C'est comme le choix par défaut quand il n'y a pas trop d'autres choses. Exactement. Ça c'est fait la job. Mais le plus le fun à propos du souper Saint-Hubert, c'était de le faire avec vous. Oui, exact. C'est ça. C'était ça. C'est ça. En bonne compagnie. Ouais. Ça, c'est pas le Saint-Hubert, ça. C'est ça. Non. Le Saint-Hubert de... était en dedans de nous depuis le début. En fait, c'est ça que j'essaie de nous dire. C'était nous depuis le début. Yes. Non, c'est qu'ils se sont accaparés. Le sentiment de la famille. C'est ça, comme le lait. C'est vrai que Saint-Hubert aussi, ils ont cette petite tendance-là à venir nous chercher par des genres de sentiments de te rappelles-tu quand tu penses encore ta mère, c'était une bonne personne. Tu sais, genre ça, là. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, J? C'est comme le Noël anti-parent, on dirait. Là, on arrête pas de faire des calls. C'est un Noël pour ces gens-là aussi. C'est ça. Exact. Vous ils sont aussi seuls dans la rue. Ouais, peut-être. Ou à la maison. Ben c'est ça, c'est Noël pour qu'est-ce vous. Mais ben la maison est dans la rue, alors on est tous relate. Je remettais le décor comme faux là. Mais il existe un spécial de Saint-Hubert de Noël. Oui. Un gala Saint-Hubert. Ah ça. De Noël. Chris. Il y a genre juste Nathalie Simard qui fait des tunes de Noël, animée par Dominique Michel, Yvon Deschamps. Ouais, puis ça, c'était à la télé, genre? Ouais, ouais, c'est comme une grosse pub pour un anniversaire de Saint-Hubert. À télé Métropole. Sûrement. Genre. Je me souviens qu'on l'a regardé ensemble. Oui, oui, on l'a regardé. Je n'ai parlé au show. C'était aussi excellent. C'était full bon. Oui, super. Des beaux moments. Il y avait des moments de malaise entre Yvon Deschamps et Dominique Michel. Ouais, ouais. Ah, oui, oui. Ils faisaient semblant qu'un tripait dessus, puis pas l'autre. Sûrement Yvon Deschamps. Ouais, puis c'était pas... Puis c'était comme, qu'est-ce que vous faites? C'était comme c'était pas un bon sketch, non? Non. Puis Claude Dubois a fait une toune. Oui, la toune qu'on trouvait nulle part d'autre. C'était quoi déjà? Ben, je me rappelle. Il a fait une exclusivité. Non, ben en fait, non, mais c'est juste que sur YouTube, elle était pas là. Puis fait que là, le seul moyen de voir cette toune-là, c'était de l'écouter dans le gala Saint-Hubert. Si tu la cherchais sur YouTube. Ouais. Mais c'était une autre toune, c'était quoi une affaire? Le mangeur show, d'étoiles. Le mangeur d'étoiles, oui. Le mangeur, c'est ça? C'est le mangeur? Le croqueur d'étoiles? Le mangeur d'étoiles! Le mangeur d'étoiles! En tout cas. En tout cas, ça avait rapport. C'est dans cette zone. Ouais, ouais. C'était faites vos recherches, bon. Anyway. Ouais. D'ailleurs, Claude Dubois, là, quelques années avant le mouvement anti-vaccin, lui était rapido-vaccin parce qu'il n'avait pas skippé en ligne avoir un vaccin plus vite, plus vite que les autres. Oui. Il était comme anti-vax, dans le fond. Exact. Là, oui. Dans le temps, la H1N1. C'est le pro-woke. C'est vrai, c'était la H1N1. Oui, il voulait son vaccin plus vite parce que Claude Dubois, il n'a pas le temps. Là. Non, c'est ça. Il ne peut pas niaiser avec ça. Il y a des grandes choses à faire. C'est un fleuron national aussi. On ne veut pas le perdre pour une grippe. Il a aussi été précurseur de télé-réalité. Quand même au Québec. C'est vrai. Ben, il était dans avec Cristal. Un peu notre Ozzy Osbourne. Ah oui. Les pas bons, je m'en rappelle. Les pas bons, oui, exact. C'est exactement ça. Ça, c'était la critique. Comment ça s'appelait donc? Je me souviens pas du nom, mais je me souviens qu'il était pas content parce que. Il n'y avait pas le contrôle total. Ben, ça revient un peu à la fin d'Odé. Yeah, c'est ça, c'est comme Isaac d'Odé. C'est la même affaire. Là, il me filme chez nous, j'ai de l'air d'un esticard. C'est ça, exactement. Là, il chiolait parce qu'il avait sacré, puis on l'entendait. Puis là, il voulait éditer ça. Puis là, il y avait eu de la chicane, puis il avait fait retirer un épisode. Puis finalement, ça avait été annulé super vite. C'est vrai. À cause de mes ententes comme ça. Puis il était avec sa blonde Cristal, qui avait l'air de genre d'avoir 40 ans plus jeune que lui. C'est ça, oui. Puis elle l'avait pas justement laissé très peu après. Peu de temps après, oui. Ben, non, mais c'est ça. Elle était là pour le show, peut-être. Hey, popsicle! Mais ça, je serais content de revoir ça. Ouais, hein? Je sais pas si ça se trouve, mais ça a été tellement pas longtemps que ça doit être dur à trouver. Sais-tu qu'est-ce qui serait le fun à trouver? L'épisode qui a fait annuler. Oui, ça. Ouf. Wow. Il faudrait être plugué. Ça, là. Mais en même temps, tu sais, là, ça fait assez longtemps, ça se pourrait. L'Internet! Ouais, mais. Faut que quelqu'un l'aille au départ. Tu sais, ouais, c'est ça, mais tu sais, on pourrait le connaître des gens. Là, hey, on est probablement tous à un degré de Claude Dubois. Ouais, exactement. Oh, ouais. Ben oui. 6 de Kevin Bacon, mais un de Claude. Un de Claude. Check ça, tu le connais. Là. C'est un pas-y. Tu le connais déjà. C'est ton oncle. C'est là, gars. Ah, c'est ça. C'est ton frère. Ouais. Fait que là, vous nous avez apporté des cadeaux, là. Oui. On n'est pas venus les mêmes. Un chien, un c'est chien, donc... Un chien, oui! Déjà, un petit chien. On l'a dit, on est dans les Golden Retriever classiques en ce moment. Ah oui. Oui. Mais ça met vraiment plus un sur le plateau, hein. Même plus deux, même. C'est-tu quoi? Meilleur chien que dans l'émission Penelope. Qu'est-ce qu'il se passe dans Penelope? Ben oui, à un moment donné, il y avait des chiens, là, dans toutes les émissions, là, genre l'émission avec...
comment il s'appelle, Michel Barrette puis France Castel, il y avait un petit chien à un moment donné. Okay. Ah oui? Ouais. Dans Pour le plaisir? Ben, je sais pas trop. Puis après ça, là, Pénélope Boussel avait un chien. Pénélope Boussel avait un chien, mais il voulait jamais rester sur le divan, fait qu'il bourrait de croquettes. Puis de... Franchement. Pour qu'il reste sur le divan. C'est faire, là. Mais c'est ça. Regarde, tu vois, nous autres, on a la bonne affaire. On laisse vivre. Exact. Exact. Let the dog live. Let the dog live. Oh, let the dog live. Fait que c'est ça, vous nous avez apporté des affaires. Ouais, oui, oui, hey, ça là. Des affaires. Ça c'est Noël. Ça c'est Noël, ça. C'est le temps. On commence par qui? Moi, je pense que je peux commencer parce que toi, ça va être. Vas-y. Là, c'est déjà tout là. Ouais, toutes mes affaires sont prêtes. En fait, je me suis dit, ben c'est Noël, fait que je vais amener des trucs de Noël. Ben oui. Wow. Une petite sélection, évidemment, il y a vraiment beaucoup de stocks de Noël, donc c'est difficile de faire des choix. Ça a été déchirant, mais j'ai une couple d'affaires. Je vais commencer en parlant des... Tu sais, il y a les toutes les spéciaux de Noël. Il y en a plusieurs au Québec qui ont été faits qui sont tout le temps un peu weird. Celui de Michel Louvain. Mmh. Celui... Nicole Martin. Ouais, il y en a eu beaucoup trop de Alain Morisseau et Sweet People. Ah ouais, plusieurs différents. Morisseau, c'est vrai qu'il y a eu une époque eux autres assez fast. Ouais, et puis ils ont une discographie assez élaborée, me semble. Ouais. Ah ouais, les violons de la Cadie au Québec. Il était souvent ici. Mais là, ce que j'ai amené, j'ai des extraits du spécial de Noël de Michel Richard. Oh ouais, c'est quelque chose. Magique avec Michel Richard, je sais pas reine. Trop. Là-dedans, elle reçoit des invités. Il y a genre Rock Voisine, Nicole Martin, c'est comme en mode Claude Dubois. Gala, genre? Non, c'est filmé chez elle, sa maison. Intime. Oui, oui. Puis Noël en fait, c'est une que j'aime pas. Ouais, tout le spécial est un rêve, finalement, parce qu'elle s'est endormie au début. Là. Puis là, elle se réveille à 1h du matin, puis il y a ses domestiques qui sont là. C'est bien bon. Puis là, elle dit « Wow! Oh, maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. » Là, il est comme 1h du matin. Eux autres, ils ont pas eu Noël. Je pense que c'est genre 5h. Ah, ouais. C'est ça. Puis là, ils sont là. On aimerait partir. Ouais. Mais ce que j'ai amené, c'est qu'à un moment donné, pendant le spécial, il y a comme du monde. Les gens chantent, ils ont du fun. Puis elle a fait comme « Ah, ben je vais aller me promener en ville. » Puis là, en se promenant en ville, elle a fait le célèbre monologue « Chose Notre-Dame ». La Charlotte prie Notre-Dame. Donc, j'ai un petit extrait où ben, c'est mon bout préféré où elle parle du boudin grillé. C'est un grand classique. Je pense qu'à Courtillier, il y a plein de monde dans les rôtisseries. Les épices Smart, les charcuteries, que ça sent bon. Et le boudin grillé. Quelle actrice. Mes nuits. C'est beau! Si que je t'ai mal à l'aise! Oui, mais la pause. Ça dure 6 minutes. Je pense juste qu'elle avait oublié sa ligne dans la longue pause parce qu'elle n'avait pas de sens. Ben oui, regarde. Non. Elle avait un prompteur dans le ciel. Ça prenait beaucoup de temps avant que le plateau réalise qu'elle avait oublié sa ligne puis le cherche pour y lire. Ouais, pour y donner, les rôtisseries sont pleines. C'est quoi ça? C'est tellement une drôle d'idée de faire un spécial de Noël puis de faire un sketch dramatique, scénette à l'intérieur. Wow! Ah ouais, ben c'est Noël, c'est ça aussi. C'est ça Noël. Puis ça, de ce que je comprenais du spécial, c'est comme si c'était pas Michel Richard. C'est comme Michel Richard, elle va au village puis elle voit cette madame-là parce qu'elle n'est pas habillée pareil. Ah oui, c'est vrai. Elle joue tous les rôles. Puis là, elle revient après chez eux. Ça me semble qu'elle avait un manteau de poêle, Jean blanc. Puis là, elle était bien en noir. Fait que c'est comme si. Quand même une prémisse compliquée pour juste un show de Noël, finalement. Mais ce spécial-là, je l'ai regardé aussi. Je pense que c'est la fois que je suis venu à. La deuxième fois. La deuxième fois, effectivement. Puis j'avais trouvé ça très laborieux, effectivement. Ouais. Laborieux, c'est quand même poli. Mais c'est vraiment spécial comme spécial de Noël. Là. Ouais. Puis l'autre extrait que j'ai amené, c'est ça que c'est Claude Dubois qui vient chanter une toune. Ça tourne Cadeau, de son album Cadeau. puis... Mais ce que j'aime, c'est à la fin, quand il se dit, tu sais, il dit ah, c'était le fun, puis tout. Elle, il dit je t'aime, puis là, il crisse son camp.
Ouais. Maudit comme, homme. Il répond ouais. rien. On dirait que ça code avec le personnage. Ouais, on dirait. Oh oui, 100%. Merci beaucoup. C'était merveilleux. Le plus beau Noël. Je t'aime. À bientôt. Au ça, c'est clairement parce qu'il voulait venir chanter une toune, mais c'est parce que les autres invités restent là. Ouais. Mais lui, il a fait comme, non, non, je viens, puis je pars. Fait que là, faut l'écrire dans la vidéo. À bientôt. Il vient lui donner son disque cadeau, en cadeau, puis après ça, il s'en va. Mais pour vrai, la prochaine fois que quelqu'un vous dit « je t'aime », dites « à bientôt ». Quand ça marche pas, ça marche pas. C'était pas ça, l'affaire. Ça, si t'avais besoin d'un signe, là, ça, c'en est un très bon. La prochaine affaire que j'ai amené, j'ai trouvé, j'ai trouvé ça sur un site de la télé de communautaire de la Haute-Beauce. Hey, la haute Beauce. Je suis plutôt aussi la base Beauce. Palache, Beauce, whatever. La base Beauce. La haute Beauce. Haute Beauce. Puis, ouais, c'est un spécial qui date de genre 85 de la télé communautaire qui s'appelle Le Sapin Fugueur. Puis ce qui arrive là-dedans, c'est un sapin qui est sentient. Puis là, il décide de coller son camp de la maison où il est. Puis là, il vit des aventures. Puis c'est pas de l'horreur, là. Non, c'est ça. C'est comme fun et fun. Fun et fun, communautaire. Mais là, tu dis que t'as trouvé ça sur le site. Ils ont mis ça à un moment donné parce que je pense que c'était les 40 ans de la station, genre. Puis il y avait des affaires sur le site. Puis là, je checkais pour des affaires de Noël, évidemment, parce que c'est ça, ma vie. Puis je suis tombé là-dessus. Il y avait une couple de tunes de Noël de chanteurs country à inviter dans les talk shows, mais il y avait ça. Puis c'est ça, c'est un spécial. C'est juste 15 minutes, je l'ai mis sur YouTube d'ailleurs, parce que ça vaut la peine. Oui, c'est intéressant. Puis c'est juste un extrait d'une bataille quand que les jeunes punks de la famille, qui c'est leur sapin en fait, là ils l'ont retrouvé, puis il y a un gars qui arrive, puis qui dit « Hey, c'est mon sapin ». Fait que c'est ça. Un gros quiproquo de Noël. La seule fois que tu viens à ta maison. Hey les jeunes! Au moins, vous vous trompez de sapin. Ce sapin-là, c'est à moi. M'en reverra, toi! Il était nous autres sapins-là, puis tu ne l'enlèveras pas! Ton œil pour marquer dessus, puis c'est le mien qui est marqué dessus. Oui, c'est à moi! Oui, hey, là, chat! Vous connaissez rien là-dedans, ça, sapin? C'est à moi, ça! C'est rien là-dedans, ça! Vous trompez votre œil pour marquer dessus, c'est le mien! Non, non, hey, c'est mon fils! Elle, c'est la fée! C'est à moi, ça! Là, chat! Ça s'appelle fée! C'est un genou de moi! Non, bon, c'est un c'est juste ça, sa réaction. Vous apparaissez dans le salon. Ça. Hey, on s'inquiétait. Hey, j'aime donc bien ça, les spéciaux de Noël, des canaux communautaires. Ouais, c'est ouais, donc bien hot. Ça, c'était Rogers Normandin. Juste dire que le monsieur qui est arrivé de dos là, pour dire « Non, c'est mon sapin, vous ne connaissez rien là-dedans, vous autres! » C'était un peu un membre de la famille du compteur de tantôt. C'est un des frères. Un des frères de ce gars-là. C'est comme les Dalton de Noël. J'aimais ça leur dire, c'est juste ça. « Hey, non! Hey! » Avec aucune résolution. Tout ça pour un sapin. On dirait qu'il va les casser en faisant « Ton nom n'est pas écrit dessus. » Mais mon nom, c'est il est écrit dessus, mon sapin. Tu fais, ben, il n'y a pas de ouais, c'est pas ça ton nom. Chris, monsieur, quoi tu connaissais rien là-dedans. Mais qu'est-ce qui se passait dans les canaux communautaires des années 80? C'est-tu le plomb dans l'eau? C'est-tu je pense que oui. Le fluor? Qu'est-ce qui est arrivé que le monde faisait du contenu? Ça, c'est vraiment weird. Genre, aujourd'hui, ça, on dirait que c'est plus possible, mais je veux dire. Ouais, personne ne ferait ça. À la télé, mettons, non, impossible. À la télé, même au canal communautaire, c'est comme, c'est quoi ça, on ne comprend rien. Non, il y a trop d'action. Il y a trop de niveaux ou pas exact. De niveaux. Il y a trop d'affaires. Ça dure 20 minutes en tout. 15 minutes. 15 minutes. Ouais. Puis c'est tout un acte narratif autour d'un sapin qui a fugué. Ouais. Ça, c'est-tu important comme dans l'histoire, le fait que
un autre gars pensait que c'était. Non, non, il sort de nulle part, ce gars-là. Ok, ça, c'est juste un petit ouais. side story. Là. Ouais, c'est ça. Ok. C'est juste. Ouais. Tabarouette. Le prochain, en fait, ouais, là, je me suis dit, ben, écoute, il n'y a pas juste au Québec qu'on a, ils ont fait des affaires. Ah, ça, c'est ça, on n'est pas de Noël. Puis là, évidemment, il y en a en hostie des spéciaux de Noël, puis tu sais, des trucs qui ont été juste sortis en VHS. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre quelque chose que tout le monde connaît un peu, les Teenage Mutant Ninja Turtles. Mm-hmm. Et là, ils ont fait une cassette qui s'appelle « Wish You a Turtle Christmas ». Puis ils font des chansons. C'est live action, c'est pas un cartoon. Wow! OK. Pis, mais c'est pas exactement les costumes du film. Fait qu'ils sont un peu… cheap, ben ouais, ils font peur. OK. Puis là, là, ils font… On va savoir c'est quoi la toune quand on va l'entendre. Parce que j'ai un blanc. C'est une surprise. Mais ouais, c'est vas-y. Deck the Halls. Le Deck the Halls, mais c'est ça. Mais version reggae pour une raison quelconque. Les tortues. C'est des tortues. Ah. Ben, les tortues sont relax. Les tortues, c'est relax. Ouais. Le reggae. Deck the Halls with pepperoni. Fa la 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 la. Ils ont des accents. C'est très bizarre. Santa Claus will bring his reindeer. On dirait l'idée de Real Bélan. C'était très random. On dirait que t'as appuyé sur le bouton random. Il y a comme 4 affaires qui tournent. Ça fait Teenage Mutant Ninja Turtles, Noël, reggae. C'est 100% un prompt. Tu sais, les intelligences artificielles que tu peux comme faire des images. Ouais, quand on va être rendu à vidéo, c'est sûr que quelqu'un va écrire Ninja Turtles, reggae, Noël. Ça va donner ça. C'est cœur, hein? Ouais, fait que. Il y a comme toute une cassette de ça avec plein de tunes. C'est ça, puis il y a une histoire un peu, là. Il faut trouver des cadeaux pour Splinter. Hey, ça lève un party. Ouais. Faut trouver des cadeaux pour Splinter. Ouais, ils finissent. C'est un vieux rat. Ouais, c'est ça. Un vieux morceau de travail. Ils finissent avec la chanson Les 12 coups de minuit. Les 12 jours de Noël. Puis, sauf que, tu sais, c'est genre. Les cadeaux qu'ils ont trouvé. Ouais, à un moment donné, un des cadeaux, c'est un entrée d'égout. Là, ah, bon. C'est un très beau cadeau. Nice. Super. Ben, en même temps, pour offrir un rat. Un vieux rat. Ça rend pas. C'est ça, là. Après, là, je me suis dit, on va revenir au Québec avec Les Anges du matin. Ah, yes! Émission. Là, je suis allé un peu dans nos classiques à Noël chez Isidore. Il y a deux moments que, moi, ils me font particulièrement rire. Là, c'est... À un moment donné, Christine est dans le public, elle veut comme parler avec les gens, puis elle parle de tourtière, puis elle dit quelque chose. Puis là, la madame qui est à côté était pas prête. Puis là, elle fait juste répondre. Une tourtière. ça me fait pairer. Le monde qui fige à la télé, c'est quand même le fun. Ouais. Un petit mort. Là. Yes. Peut-être une bonne tourtière que maman faisait et que papa mangeait. Hein? Qu'en pensez-vous, madame? Les tourtières. Je disais, les tourtières. La tourtière que maman faisait et que papa mangeait. Mais c'est ça. En faites-vous des tourtières? Oui, j'en prépare pour ma belle-fille aussi. Ah oui? Vous êtes gentille, vous? Alors, ça, c'est... Faut aider. Ah ouais, Je vais juste reprendre le mot. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de question, je sais pas qu'est-ce que... Non, mais un peu sa défensive, les tourtières. Les tourtières. Non, mais on dirait qu'elle est comme, c'est ça. T'écoutais pas Philippe? Oui, j'étais là, de quoi je parlais tout de suite. J'abonde dans votre sens. C'est ça, exact, comme vous êtes là. Comme vous êtes là, en tout cas. Je suis pas contre, mais je suis 100% quand même. Je me dirais pas, je suis pas non plus. T'avoue, la pauvre petite madame est juste comme. Elle s'est faite pogner dans. Et une seconde, on dirait qu'elle tassait son manteau. C'est juste. T'as pas arrêté d'écouter, t'as juste pris une seconde pour faire ma tuque, puis tu reviens. Il y a comme. En plus, c'est ça qui arrive. Là. Tu te sens pas à l'écran dans le zoom. Là. Non, tu toi, penses pas à ça. C'est elle qui parle. Il y a une machine là-bas qui te pointe, mais c'est pas comme... T'es le public. Tu vois pas dans le cadre. Seulement, il y a Christine à côté de toi. C'est comme un carré de même. Mais t'es full dedans. Zoom dessus. C'est tout. Et le prochain, c'est... Il y a un segment de Vox Pop, genre, où il posait des questions à des... Au début, c'était des enfants, puis après, c'est des personnes âgées.
C'est quoi Noël là, pour les poids de la société. Ouais, ben, c'est ça. Les deux démographiques là, de Noël. Ouais, de Noël était disponible de 14h à 15h le mercredi. Sur la Plaza Saint-Hubert, un jour de pluie. Puis là, lui, il est devenu un peu un classique à Noël chez Isidore parce qu'on a de la misère à comprendre ce qu'il dit. À Noël, depuis là, chez le Duc, on réveillonnait. Après ça, on avait, le lendemain, on avait le repas. Et puis, le midi, on mangeait une place, puis le soir, on mangeait à l'autre. On parlait, on partait avec les enfants, on allait se lire, puis je suis pas allé sur le beau-père, puis j'avais le fichier chez mon père. Et puis, on partait avec tous les enfants, puis allait se lire. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de taxi. Mais ça se passe à elle du tout un peu aussi. Enfin, la dernière madame. Chenille qui parle, lui. Encore cette histoire-là. Encore cette histoire-là, je baissais le champagne, le beau-père. Pendant des années, je trouvais qu'il me parlait pas assez. Là, je trouve qu'il parle trop. Il y a 50 ans qu'il raconte ça, puis j'ai jamais compris de quoi il parle. Non, mais les petits slés, moi, j'aime ça. Là, les petits slés. Les petits slés, pas les taxis, là. On leur met. On essaie de découvrir qu'est-ce qu'il dit, OK? Oh mon Dieu. Vous pouvez, là. Moi, j'ai réussi. Toi, t'as réussi? Ouais. Ouais. Oups, attends. Oh. Attends, wow! Wow, pas ça, là. Attends, c'est parce que là... non. Je spoil, je suis désolé. Oups! Attends. C'est parce que là, ma souris va très mal, vu que je suis loin. À Noël, depuis là, chez le Duc, on réveillonnait. Après ça, on avait, le lendemain, on avait le repas. Et puis, le midi, on mangeait une place, puis le soir, on mangeait à l'autre. On parlait, on partait avec les enfants, on allait se lire, puis je suis pas allé sur le beau-père, puis j'avais le fichier chez mon père. Et puis, on partait avec tous les enfants, puis allait se lire. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de taxi. À la fin, il dit on partait tous les enfants en titillé, il n'y avait pas de taxi. La première phrase, c'est la plus dure, je trouve. Après ça, il dit on réveillonnait, je pense. À midi, puis là, après ça, on se faisait manger une place, on se faisait manger une place. Là, on allait chez le beau-père, puis après chez le père. En titillé, il n'y avait pas de taxi dans ce temps-là. C'est ça. Exactement, c'est juste ça. C'est assez simple. C'est très simple, oui. C'est pas. Rien de compliqué, là. Mon grand-père, on dirait qu'il claque son dentier un peu comme en chaque. En plus, il commence à parler, puis il s'auto-interrompt en hésitant puis en recommençant. Ouais. Fait que ça nuit un peu. Mais ça fait vraiment un effet des fois comme si quelqu'un jouait avec le tape en avant, en arrière. comme je sais pas s'il joue à reculons. Il parle à l'envers puis à l'endroit. C'est vraiment un effet de tape vraiment spécial. J'ai beaucoup aimé. Mais il est comme attachant vite. Ben oui, en même temps. C'est ça. Mais j'aimerais beaucoup en savoir plus sur sa femme. Je soupçonne, c'est sa femme, t'as ça à côté. Ouais. Non, je pense que c'était quelqu'un d'autre qui répondait. Juste quelqu'un d'autre. Ah, mais j'aimerais ça en savoir plus sur elle aussi. Ça, ça a l'air. Mais ça, c'est un petit monsieur que les gens doivent parler. Ben oui! Ben oui! Comme dans votre temps! On dirait que c'est le genre de téléphone, hein? C'est titillé! Ah, ça a bouche changé! Ah oui! Puis des petits slés, on s'en... Il y a des taxis, là! Taxis, maintenant! Ben oui! Fini les petits slés! On se peut pas acheter l'autre! Ben oui! Super beau-père. Puis là, ben, tant qu'à parler des anges du matin, on va parler des démons du midi. Yes. Mais là, la réponse dark un peu à anges du matin. Mais les démons du midi, en fait, c'est un épisode de Noël. L'extrait qu'on va regarder n'est pas très noëlé, mais c'est dans un épisode de Noël. En fait, je voulais vous présenter Paquette. C'est ça! Vous connaissez Paquette? Wow! En fait, là, je me suis demandé c'était quoi ce souvenir-là pendant des années, puis j'étais comme, comment je peux retrouver ça? Je trouve ça écœurant. C'est Paquette qui est... moi, quand je le regarde, je me dis, lui a marché pour que Christo puisse courir. Parce que c'est un peu... Ça, c'était la poudre qui faisait courir Christo. C'est ça. Il y avait deux affaires. C'est un peu les deux. Ça prend les deux. Yeah, Paquette. Si Christo est X-Files, ben, lui, c'est Twin Peaks, mettons. Ah, OK, wow. Fait que lui, ce qu'il faisait, c'est des sons. Il avait des cheveux crêpés, puis... des lunettes. C'est ça. Parce que l'affaire, c'est que ça dure 4 minutes 50, mais là, j'ai coupé pour que ça ne dure pas trop longtemps. Merci. Parce que... Je pense qu'on va être déçus quand ça va arrêter. Mais vas-y, Paquette. C'est
ça à un public de personnes âgées, là, rappelons-le. C'était juste pour toi, mon amour. Ma bite, non! Faut applaudir le monde de ce public. J'aime ça. Check ça, madame. C'est l'ancêtre de Dave Godet, genre. Ça a comme pas d'allure. Ouais, parce qu'il y avait pas une toune. C'est mon spectacle. C'est ça que c'est je fais. C'est ça, il chantait pas à la fin de mon nom, c'est Pocket Pop. Il y avait comme un... Mais... il y avait une annonce. Il était dans une pub. Ouais, une annonce d'un marché aux puces. Mon nom, c'est Pocket. Si c'est pas une annonce de Freenet, ni de lunettes, une annonce de marché. En face du terminus d'autobus, je te mets au Berry, stationnement en plus. Ouvert, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis à tous les mois, des spectacles qui cassent. Mario Pelcha, en spectacle, les 5 et 8 septembre. Vous la voulez, les tapis? Qu'est-ce que vous la voulez, vous la voulez, les chemises? Qu'est-ce que vous la voulez, vous la voulez, les cassons? Tout ce que vous la voulez au marché du palais du commerce en avant. Tabarnak, OK? Ouais. Wow! Ça, c'est loin, là. Mais il faisait tout autre chose que juste du beatbox? Comme des fois, il parlait ben, au début, non, mais dans ce sketch-là, il parle pas, mais au début, il fait des... Pendant comme... une minute, après, il switch à ça. Ça, c'est quand même fucké, là. Comment qu'il a fait pour se rendre là? Oui, c'est ça, par exemple. Comment tu te fais booker là avec ça? Ben, tu remplis ça. Quand non, t'as dans une heure par jour. Puis... oui, mais faut en même remplisses. Temps, c'est tellement pas adapté il est dans aux le métro, gens qui écoutent. Dans la route des gens qui s'en vont à TVA. Il faut lui donner, par exemple. Lui, il est original. Là. Ben, mais c'est... faut lui donner. Là, je trouve qu'il a confiance dans le tapis là, parce que ouais, ça, c'est mais... un gig weird pour un gars de même. Mais les démons du midi, c'est, on dirait, c'est même en bas de là, genre les émissions de talent pour 25$, qu'est-ce que tu ferais? Ouais, c'était juste n'importe quoi. C'est ça. Ils ont 5 jours semaine. Faut qu'ils trouvent quelque chose. Fait que tout le monde qui applique passe à un moment sinon, donné. Sinon, ils font du jello, là. Tu sais, c'est non, ça. Je sais bien, mais... Cette semaine, fais du jello. Aujourd'hui, jello. J'ai adoré ce personnage-là. Damien, elle aime ça quand même. Ouais, elle était hypnotisée par ton chien. Ouais, ouais, ouais. Plus tu veux dire Bob Zagor? Oh, Bob Zagor! Yes, sir! Ben oui, t'as la GM! Non. Bravo, Damien. Non, elle veut pas comme si tu le veux. Tu le veux, c'est à moi. Non, tu veux pas, je le donne. Oh, les plus beaux cheveux. Les plus beaux cheveux du podcast. Après Étienne, deuxième place. Deuxième place. Ah bon, on n'avait pas le chercher. Après, ben évidemment, oui, Noël, c'est aussi bien des pubs de Noël. Puis là, il y en a vraiment trop pour que je choisisse, mettons, le top. Mais j'en ai amené une qui me fait bien rire. C'est celle de la crème glacée chose. Crème glacée Miko. C'est les enfants qui actent un peu étrange et le Père Noël qui... Okay. C'est ça, on va voir. Oh, en feu de pause, je prendrais bien quelque chose de rafraîchissant. Choix unique. Pour Noël, vous offre la nouvelle famille de desserts Miko. Booba, bûche, coupe, bûchette. Et que dire des parfaits? Que dire? Nano pêche, pis c'est bon. Nano quoi? J'aime ça. Pour une pause bien méritée, rien de mieux que les produits Miko. Distribué par les produits Choix unique. Oh, le petit gars avec son mouvement de langue, là. Yam, yam, c'est bon. Ça, c'est... Mais des fois, en regardant des affaires là-dedans, t'as l'impression que tout le monde, il y a 20 ans, était complètement stupido. Ouais. Qu'on se parle là-dedans, j'aime beaucoup les pêches, il y en a! Puis t'es comme, il y a un mélange. Le ton qu'elle a utilisé, je m'attendais pas à ça. Je sais bien que c'est un enfant. Mais non, mais pas naturel. Non, pêche, puis c'est bon. Non, non, ça, je comprends, mais tu sais, reste que c'est ça l'annonce, puis tu sais, ça commence quand même avec... J'aimerais quelque chose de rafraîchissant! On commence de même. Là, il y a quand même un souci parce qu'il y a comme un zoom out. Fait que t'es oui, comme puis okay, le zoom out, il est un peu fucké. On comprend pas trop. On est où longtemps? Ouais. Ça recule. Puis j'étais comme même pas sûr. Moi, c'est allé trop vite. J'ai l'impression qu'ils sont comme dans une garderie. Moi, je pensais que c'était plus un décor de Noël ville, de centre d'achat. Ouais, de centre d'achat. Moi, c'est cet effet-là que ça m'a fait. Ils sont au centre d'achat?
Ouais, ouais. Mange la crème dans glacée. Un kiosque dans le milieu là, où il y a les espèces de faux châteaux, mettons. Ça avait l'air plus comme on dirait un sous-sol d'église. Ouais, mais c'était un peu glauque, là, tu sais. Ouais, mais ouais. Mais quand même. Tire, tu n'as pas de d'achat dans... Oh! Wow, ben ça, c'est un chien sport. Ah ouais, t'es sport, bébé. Il y a un autre site, là. Gars, viens là. Oui, là, oui, là. Hey, c'est même pas ton premier podcast. C'est pas la première fois qu'on te le dit, là. Oui. OK. Le, vous connaissez Né Rouge? Ben oui. Le oui. fameux film avec Patrick Huard et Marie... Non, Chose Pelletier. Et j'ai de la misère avec les noms aujourd'hui. Marie-Denise Pelletier. Non, c'est, non, en tout cas, c'est pas grave. C'est pas ça du tout. En fait. On va voir. Là. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que j'ai mis cet extrait-là, ça me fait beaucoup rire, où après une date, chacun est chez soi, et là, il commence à neiger dans les apparts, et Patrick Huard se frotte avec une boule de Noël. D'en face. D'en face, puis... Je trouve que c'est de l'or. C'est effectivement. Wow. C'est Michel Barbara. Peut-être. Oui, exact. C'est ça. Ah, c'est oui. Barbara qui me. Oui, j'avais la misère. C'est vrai. C'était quelle année 2001 quoi, ça? 98. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir faire un épisode c'est sur ça. Beau, oui. Ça. Il filait son moment. Ah, la wow. magie de Noël a opéré. C'est ça que Nicolas Chikone pense que ça nous fait sa musique. Mets une belle photo de toi. On veut voir tes gros. ouais, le dernier extrait que j'ai amené, c'est un film qui s'appelle Elves. Elves. C'est pas le film avec Will Ferrell. Non, c'est un film d'horreur où. Des... Non, ben, inquiète-toi pas, c'est pas... L'extrait n'est pas épeurant, mais c'est l'histoire de... Il y a une fille qui fait une cérémonie avec ses amis anti-Noël dans un cimetière, puis là, le sang réveille un elfe qui est enterré là, puis l'elfe, ça s'avère être un elfe nazi. Ah. puis eh ben. Là, il y a un Père Noël de centre d'achat qui est un ancien détective privé qui commence à enquêter sur l'elfe et tout ça. Il réussit à trouver l'adresse d'un expert en elfe, on ne sait pas trop. Puis il va les déranger pendant leur souper de Noël, puis là, il leur pose la question. Je pense... Non, je vais le laisser parler. Ouais. Parce que vous savez... Très bien. Je vous donne une minute. Je veux connaître la relation entre les elfes et les nazis. Il y a deux écoles de pensée. Lesquelles ? La première, les nazis ont fait des expériences avec les elfes pour former des groupes d'extermination. Petits, faciles à cacher, silencieux et vicieux. Ils ont des pouvoirs magiques, ils ne peuvent être tués. Ils mangent n'importe quoi et sont d'excellents soldats. Le problème, c'est que tout ça n'est qu'illusion. Vous parliez d'une autre théorie. La seconde hypothèse, les elfes sont le résultat d'une expérience de manipulation génétique. Pour ma part, je préfère cette thèse, elle écarte le culte. Les nazis avaient des scientifiques intelligents. C'était avant la technologie d'aujourd'hui, bien sûr. Chaque elfe devait donner la structure génétique dans les cellules de son sperme qui devait produire la race supérieure, qui ne pouvait elle-même être ni blessée ni tuée. Il devait sélectionner la femelle génétiquement parfaite, la vierge proverbiale, bien sûr. L'accouplement sacré devait se produire à minuit le soir de Noël. Mais attendez... Vous voulez dire ce soir ? Oui, les elfes s'accouplent avec une vierge le soir de Noël pour produire la race supérieure. Et elle régnera un jour sur le monde. Seulement, encore une fois, le problème, c'est qu'il n'y a rien de réel dans tout ça. Il n'y a pas d'elfes. Chérie, pourrais-tu dire aux gosses de ne pas jouer avec la nourriture ? Bon, la minute est passée. Voilà. Moi, je peux pas leur dire, moi. Je peux pas leur dire, là, je suis occupé à parler à un monsieur de nazi. C'est quoi un elfe ? Un elfe... Non, ah, la question, là. C'est... Ouais. Ben, genre, mais la question était vraiment, je veux savoir, c'est quoi la relation entre les elfes et les nazis. Finalement, c'est il y a quoi, deux la écoles relation? De pensée. Il y en a deux une qui écarte de... l'occulte, oui, voilà. Ouais. Qui est les manipulations préfère génétiques. Préfère ouais, celle-là. Ouais. Mais c'est laquelle, la vraie? On dans le film? Dans le film, je pense que c'est la deuxième.
Je me rappelle plus. Je me souviens qu'on l'a vu. C'est un mélange des deux, je pense. Je me rappelle plus c'était quoi finalement. Ouais, parce que l'occulte, ça a beaucoup plus rapport à l'horreur, tu sais. Ouais. Quand même. C'est ça, faut pas mais trop l'écarter non plus. Ça, c'est tellement weird comme choix quand même de réalisation. De, tu peux faire 100% cette scène-là juste. Mais, mettons, même si tu veux garder le souper de Noël puis tout, il y a la famille dans la cuisine puis t'es entends, mais. Il aurait pu leur répondre ça dans la porte. Là, ils sont là devant les enfants. Il y a un monsieur avec une grosse barbe puis un coach. C'est quoi la relation elf-nazi qui te boutte à côté des enfants? Fait qu'il y en a qui pensent que c'est du sperme de nazi qui a été mis dans des ailes. Fait que la femelle mais parfaite. Je pense c'est que c'est une joke. Je pense que c'est prévu que ça, c'est comme ironique un peu. Là. Je sais pas. C'est difficile avec ce film-là. Mais juste le bout où ils filment les enfants puis c'est oui, quand ça, ils les comme sperme. Tu fais clairement, ça sert juste à ça qu'ils soient là, les enfants. Là, mais c'était weird, puis je trouve que ça, ça 100% weird. Non, 100% weird. Il n'y avait rien de pas weird. En tout cas, surtout pris hors contexte. Hein. Oui, c'est ça. Oh, oui. Exact. C'est avec le contexte, dans tout ça avait, son contexte, ça avait de l'allure. Là. Ouais, je ouais. Pense, j'ai-tu le temps d'un bonus? Ou, Oui. Juste un petit bonus. J'ai écouté aussi un affaire qui s'appelle Gilles Reçoit, un vieux talk show de Canal communautaire. Ça, c'est puis à un moment donné, ben, il reçoit des personnes âgées qui vont raconter leur Noël, tout ça, puis... Je l'ai amené parce que... C'est comme nous, on fait. C'est ça. En fait, j'ai amené un extrait d'un des participants qui fait de l'humour, qui fait un petit peu d'humour pour vous faire plaisir. C'est un podcast, ça. Puis là, c'est une occasion de tous se réunir. Là, c'est encore une autre chose. Ils tiennent à venir à la maison. Puis là, ils sont encore tout ensemble. Puis je suis arrivé que connaître que le Père Noël est venu. Il vient son nom, et ici, nous autres, voudrait bien que ça soit le vrai. Parce que j'en ai vu un la semaine passée dans un centre d'achat. Puis le Père Noël, il a fait assire le petit gars sur ses genoux. Aussi. Il demande au petit gars, il dit qu'est-ce que tu vas avoir? Il dit pas tes étreintes. Le petit gars, je vais avoir un train électrique. Il dit avec une garde, puis tout ça. Puis dit, ensuite de ça. Le cadeau rêvé d'un petit garçon. C'est ça. Ah oui. Puis ensuite de ça, il voulait avoir un G.I. Joe, tu sais, avec tout le bazar, l'hélicoptère, tout ça. C'est amélioré, ces affaires-là. Elle a vraiment dit oui. Elle dit écoute un peu, là, tu vas te fermer les yeux. Là. Tu gars dit oui, tu fermes tes yeux. Ils sont tout de même fermés. Là. Tu gars dit oui. Il dit qu'est-ce que tu vois? Il dit c'est. Je vois rien, mais c'est ça que tu vas avoir pour tes cadeaux. Oh là là! Après ça, je l'ai battu. Très content. Après, je leur donne aux parents, ils arrêtent pas de pleurer. Ça, c'est original, ça, tu sais. Tu sais, quelqu'un qui est fier de raconter ça. Ouais, ouais. Waouh, genre. Il a réussi aussi à la rentrer dans ce qui. Tu sais, il dans faisait juste raconter quelque chose, puis là ça le Noël a pas que c'était une joke. Ouais, mais tu ça. Vois que ça a doté de sa femme à côté, là. Ouais. Elle a trouvé ça drôle. Dès que ça a commencé, elle était prête. Elle savait qu'il rentrait dans son bit. Exact. Non, mais ça c'est bon. Parce que. Ferme tes yeux que tu souhaites rien. C'est un duo. Ouais. Ouais. Ouais, pas. C'est le straight man. Ouais. Elle est juste mais là. Quel là, joke ben... plate à chier avec la pêche chute. La de super tout. Longue prémisse. Mais pensez-vous qu'il l'a inventé ou qu'il l'a volé à un de ses amis? Oh non, qu'il a entendu le quelque part avec l'entendu. Les gars. Puis J'ai l'impression que celle-là, il l'a créé. Tu penses? Ouais, peut-être que c'est un créateur. Ouais, mais c'est drôle, ce joke-là. On dirait j'aime que c'est bien juste... ton hypothèse qu'elle écarte le l'occulte. Elle écarte le l'occulte. C'est vrai, c'est pas l'inventation. Mais il y en a qui pensent que c'est en fait un démon qui est venu raconter ce joke. C'est vrai, un démon du midi. Dans mon genre, 75 ans, puis il nous raconte une joke où c'est que genre, j'ai été un petit peu bête, drôle avec un enfant. C'est pas ça. Non, mais je l'ai planté un peu. J'ai dit, va pour les yeux, qu'est-ce que tu vois, c'est ça que tu vas voir. C'est ça qu'il raconte. Il raconte quelque chose qui est vraiment arrivé. Peut-être. Peut-être qu'il a vécu ça. Il a vécu ça. Peut-être. Puis là, c'est pour ça que sa femme en trouve ça drôle. Ben, ça fait... Parce qu'elle se souvient qu'il a raconté souvent cette anecdote-là. Puis là, quand il est pas bon, lui, pour comme raconter, il est plus bon pour vivre. Oui, clairement. Ouais, 100% meilleur ouais, pour ça, vivre. Il a l'air de l'avoir fait longtemps, là, quand même. Oui, oui. Mais il était vraiment comme grand-papa classique, là, tu sais, quand même. Là, il a pas l'air de. Ouais. Ouais, ouais. Ça s'est pas beaucoup exprimé sur ses émotions, ça. Ouh, les émotions, vomme tes yeux, t'es pour rien de ça. Tes émotions que. Il y en a pas de ça. C'est peut-être sa joke de tout. Si tu vaux pas de l'exagère, tu vaux rien de. Tu vaux pas grand-chose. Bon. C'est ça. Bon. Tiens. On va pas. Une époque plus simple. Hey, des belles années. À cette heure, c'est juste du matériel. Dans ce temps-là, il y avait ça. Ouais. C'est vrai. Ça, c'était tout. Ça, c'était des bonnes choses. Une ronde de cadeaux, ça. Oui, c'était beau. C'était bon. C'était là. Bon, là. Bravo, Simon. Oui, ouais, merci. Wow. Excellent. C'est un plaisir. Merci pour la suite. Là. Grandiose. It's slay. It's slay. Don't slay. Lui, c'est quand même mon préféré. Slay. Oh. All right, là, on va partir à cette présentation.
Oh oh. C'est un PowerPoint. C'est un PowerPoint. Incroyable. Je dis que ça serait plus simple. Début, ben oui. À partir du début, là voici. Zim. Right. C'est beau ça. Ouais, c'est moi, ça me donnait une migraine ophtalmique. Ça, c'est, ouais, c'est un petit peu intense. C'est ouais, tough, c'est, mais c'est hot. Non, mais je trouve que c'est quand même. Tu peux voir les deux. Oui. Ben oui. Tu peux voir les deux. Tu peux, effectivement. Ça marche bien les couleurs ensemble, honnêtement. Aussi. Ça devrait être de même tout le temps. Je pense que oui. Migraine ophtalmique tout le temps. Exact. Bon, fait que là, moi, je suis allé fouiller sur Facebook pour trouver des bons commentaires. Et parce qu'il y en a toujours plein. Il y en a toujours plein. Puis au début, je m'en allais chercher des affaires de météo média parce que je suis souvent là-dessus. Fait que je me disais des trucs de tempête, de neige, tout ça. Puis là, finalement, la journée qu'on s'est tous parlé pour booker la date, genre 10 minutes après, l'annonce sortait que c'était Barbada qui allait faire la fée des étoiles dans la parade du Père Noël à Montréal. Puis là, j'avais mon sujet déjà qui s'était imposé. Oh, ça peut être riche, ça, quand ben même, oui, comme ouais, filon. Ouais. Fait que là, ben, par exemple, le journal Métro nous explique ça, que là, c'est la nouvelle fée des étoiles, la première drag queen à enfiler le déguisement. Évidemment, vous vous douterez qu'il y a un paquet de crétins qui sont allés comme oui, être fâchés sûr. De cette nouvelle-là. Mais ça peut être très fâchant quand t'es crétin, ça. Ben, c'est déjà, ça tu vois déjà qu'il y en a qui ont laugh, react, alors c'est quand même ouais, toujours c'est le ça. Fun. Exact. Ça. Puis là, ben, j'ai trouvé les plus amusants, puis je vous amène ça. Donc, on commence tout de suite avec Marie-Josée, qui dit « Franchement, ça fait dur, Montréal, pas possible de voir ça. Tout ça pour gagner des votes, émoji de boîte de scrutin, ça quand même, c'est hot. » Fait que là, selon elle, la parade du Père Noël, c'est un parti politique municipal. Ouais. Ouais. Puis ça incite les gens à voter. Parce ouais, que quand oui. on va aux urnes, qu'est-ce qu'on se rappelle? La parade. La parade, ben, ouais. exact. Exact. Là, ben, tu votes pour. Puis chaque année, c'est connu, c'est le maire ou la mairesse qui décide fait la fée des étoiles. La fée des étoiles. Et c'est en fonction du parti, on sait son allégeance. Exact. Et aussi, dans tout ça, c'est important de se rappeler que ce qui fait voter les gens, c'est beaucoup les trucs woke. Hein? La oui. société est très progressiste. Oui, oui, on le voit. Plus tout le temps. Ça va loin, exagéré vers l'avant, plus les gens votent pour ça. Les gens votent pour ça, on le donc, voit. On s'en rend bien compte. Belle analyse, Marie-Josée. Quand c'était Denis Coderre à mairie, c'était Ima la fée des étoiles. Fait, exact. T'sais? Okay. Je pense que ça écarte le culte. Bien spécial. Ima de Nicodère Casino. J'aime aussi, c'est Marie-Josée qui... Est-ce que c'est volontaire d'avoir omis le nom de famille ou c'est parce qu'elle n'a pas trouvé où le mettre? Ou son nom de famille, c'est Josée. C'est peut-être « Hey, salut Marie ». Elle a peut-être aussi fait le genre nom, prénom, mais elle a laissé c'est ça, Marie-Josée. Puis elle a fait plus d'autres places. C'est ça, je me dis, moi. Ouais, c'est ça. Merci. Ensuite, Richard Fosse qui dit « Accepter la diversité, oui. » Mais propager, marginaliser et sexualiser la diversité, non. Ça n'aide en rien la cause et ça alimente les préjugés. C'est ma propre opinion et je l'assume. Ah ouais. Quand il faut que tu assumes tes opinions, déjà, c'est que ça va assez ouais, bien. C'est ça. Non, mais aussi, moi, j'assume. Moi, je l'assume. Opinion. Je sais que c'est dégueulasse, lui. Mais je l'assume. C'est lui qui sexualise exactement la marginalisation. Exactement. C'est quand même assez drôle. Ouais. On veut, parce que qui a parlé de sexualiser quoi que ce soit? Elle va pas se promener avec des dildos puis comme les sucer dans la parade. Non, pas non, ça pas en tout. C'est ça. C'est, là, lui, il voit de la sexualité drette là. Ouais, c'est correct. On l'accepte, la diversité, mais faudrait pas non plus la qu'on propager. La propage. Là, wow. Caresse cachée chez eux. Exact. Là, on l'accepte dans ce temps-là. On l'accepte de même. C'est sa propre là, opinion. Moi, là, des affaires qui me font bander, ça me dérange. Pas devant les enfants. Parole de Richard Fosse Sceptique. Ensuite, Colombe Fortin. Ridicule. Je n'ai rien contre les drag queens, mais Noël appartient aux enfants. Faudrait y penser un peu. Ça, c'est de l'appropriation culturelle. Hein? Noël voilà. appartient aux enfants, tu vois, c'est le souhait. Il n'y a aucun moyen d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Non, c'est terminé. Ça. Oui, mais check ça à la tête, elle. L'appropriation culturelle des enfants, parce que c'est une culture, la culture enfantine. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est à eux, Noël. Là. Fait que là, si on vient s'en mêler quand puis, on n'est pas un enfant. Ouais, mais justement, c'est à eux. Laisse-les décider. Ils en ouais, veulent-tu de Barbados? T'as quel âge, toi, Colombe Portin? T'es fucking c'est aux enfants, ça. Tu ouais, t'appropries leur Noël. On va aller voir mamie. Oui, c'est mamie. Ah, oh, elle est fine. Mamie, ouais. fine. Mais j'aime ça. Tu sais, encore une fois, je n'ai rien contre les drag queens. Mais Noël. Ouais, mais Noël, là, wow. Ouais, Noël, wow. Là, c'est trop loin, là. Une ça va fête, trop loin. Là, wow. Ouais. Ils ont le droit d'exister, mais pas fêter les fêtes. Pas en même non, temps que pas Noël. Avec nous,
Puis pas en plus les fêtes des enfants. Non, c'est ça. Ouais, on peut-tu avoir congé de drag queen pendant un jour férié? Ouais. Hein, c'est trop demandé. Mettons, Pâques, je te dirais, OK, c'est plus à une limite. Fête de vieux. Il peut avoir des drag queens, puis ça peut être sexuel. Mais là, Noël, non. Voyons, Denis Auger, je ne la comprends pas, celle-là. Pourquoi qu'un drag queen s'approprie ce personnage mythique? Regardons un peu d'où vient cette fée, avec un lien vers la fée des étoiles de Radio-Canada. Ouais, OK. Et là, si vous voulez savoir d'où vient cette fée, je vous encourage à aller écouter l'épisode 2 de Noël chez Isidore, où le premier cadeau de Sophie, c'était sur la fée des étoiles, puis elle nous explique l'origine. Puis effectivement, quand on regarde l'URL, là, ça venait de Sainte-Lucie, elle nous en parlait. Puis là, mais finalement, effectivement, si on va voir les origines de la fée, il n'y a rien qui dit que c'est une drag queen. Fait que là... Je comprends pas. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Elle écrit, elle suçait les queues, puis il n'y avait personne qui changeait. Elle était comme Ash Jekyll. Ouais, exact. C'était une femme. C'était une femme. C'est on une dirait fée. Que c'est ça qu'il veut dire. Comme pourquoi que. Non! Non c'est une non. femme hétéro. La fée des étoiles, c'est connu. Elle est chum. Elle aime ça. Elle est rangée. Elle a deux enfants des étoiles. Elle s'en occupe. Il n'y a pas de problème avec les rôles traditionnels. Elle n'a pas de pantalon, là. Non. Faut respecter l'histoire, là, la exact. Narration. On va pas réécrire l'histoire. Hey, wow, l'histoire là. De la fée des étoiles, moi, ça me suit depuis mon plus jeune âge. Ça a tout le temps été une femme. Ben oui, puis là, wow. ça chamboule toutes mes convictions. Là, ben faut que je me promène dans la vraie vie puis que je dise aux gens, je m'excuse, je m'appelle Alain, je sais pas c'est quoi la fée des étoiles. on s'entend plus, là. Tabard, faut que je dise la le fée? Ouais, c'est ça. Les fées? Voyons. Ouais, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Les gars, les fées, tu sais, c'est ça. Bon. Les gars, les fées en 2020. Aïe, aïe. Okay. Ensuite, France Beauregard. C'est vraiment rire du monde et détruire l'idéologie de la parade du Père Noël. L'idéologie. Et voilà. Fait que France Beauregard ne recule pas devant inventer des mots pour s'offusquer d'une affaire. Surtout quand c'est rire du monde. Mais ça aussi, mettons qu'on oublie, là. Elle voulait, mettons qu'elle voulait dire idéologie. Fait que c'est quoi, premièrement, l'idéologie de la parade du Père Noël? Parce que là, faut savoir, là. C'est une parade, c'est genre. Ça, ça. Je veux souligner la vitesse avec laquelle t'étais on, hein, là, de se pogner qu'elle venait, ça faisait deux minutes qu'elle avait passé. Ouais, bang! Elle là, tout de suite, dessus, sur le commentaire. France Beauregard, je t'attendais avec mon net. Étienne premier sur le commentaire. Exact. Je les ai tous screenshotés à mesure qu'ils rentraient. Oh. Puis oui, c'est vrai que c'est important. Tu disais tantôt, elle était pour l'Ukraine. Ben c'est oui, vrai. Parce que, tu sais, aussi, il y a des limites. Il y a des limites. Non. La guerre, c'est non, par contre. Mais s'il y a des Ukrainiens qui viennent ici, il faudrait faire attention pour pas que ce soit des violeurs. Exact. On peut détruire des pays, mais pas la parade. Ensuite, on a Ricky Delatori. Bon, une fée yell, tabarnak. Va-t-on devoir écrire fée sans le E à la fin? Ah, je te dis, les woke, jamais en manque d'idées, plus farfeblu blessnus que les autres pour essayer de démolir l'humain dès son plus jeune âge. Rirolam, popcorn. popcorn. Ouais. Farfeblu blessnus. C'est nice parce que. Il semble être comme inquiet qu'on perde le E à la fin de fée, mais lui, ça ne dérange pas d'enlever le la, genre. Non, c'est ça. Mais là, on n'est comme pas à une lettre prête, là, Ricky, mon job. On ouais, puis même ton nom, là, je le regarde en ce moment, puis je sais pas si c'est le même sur l'écrit. Ta mère, genre, elle doit trouver mais... que tu pervertis ton nom. Ouais, c'est ça. Démolis l'humain. Mais c'est vrai que c'est drôle, tu sais, d'utiliser ça comme argument de la part de quelqu'un qui fait plein de fautes, que là, soudainement, ça changerait peut-être le, t'sais, la façon qu'on écrit un mot, mais dans les faits, c'est les mêmes gens mais qui disent « ça change rien », on le comprend pareil. On écrive un mot de toute façon. Et là, oui, je pense pas que ça fonctionne comme ça, les fées, là. Je suis pas genre les gars fées, c'est fées, F-E, ouais, c'est là, ça, comme ça, un mâle girafe, là, y'a-tu pas de ouais, gira. gira. Farfelu blessnun. Farfelu blessnunes, je pense que c'est en espagnol. Farfelu blessnunes. Ouais, exact. Voilà. Les idées plus farfelues, bleu, bleu. Pierre-Luc Doquier. Je trouvais justement que Noël n'était pas assez homo. Ben, ça tombe bien, Pierre-Luc. Parce que, ouais, j'aimerais ça voir son classement des fêtes de l'année de homo à hétéro. Ouais, un ça. Noël homo. Homo. C'est un bon nom d'album. La Saint-Valentin, homo. Homo. L'Halloween, homo. Ouais. Qu'est-ce que la Pâques, homo? Fête du travail, hétéro. Ouais, ça, et donc, hétéro. Lui, il voit-tu le Père Noël comme s'il y avait un goatee, là, genre? Comme Il ben, y a des tatous quand il enlève son kit. Il y a quasiment un foulard, le Père Noël. En plus, tu sais, je veux dire, t'es un grown-up, t'as l'air d'avoir du gris dans la barbe, tu te dis les homos. Les homos. Hey, man, pour vrai. Les, hey, ça, c'est homo. tu trouves ça drôle quand c'est écrit le lait homo? Genre, ouais, ça te fait encore rire à toutes les matins. C'est ça. Ah, Pierre-Luc, pas de E, what C, whatever. Mais
dirait qu'il y a le goatee de cette opinion-là, par exemple. Ouais, ouais. 100% le pinch. Qui ça, c'est ça nice. Attends une minute. Je me trouvais hot dans mon char avec genre je lookais on dirait je me fais prendre en photo par mon miroir latéral. Ouais, veux-tu savoir ce que mon tape deck voit? Sorry, I'm closer than I appear. Ça, cette image-là, ce que ça dit, c'est je sais conduire. J'ai un pommier. J'ai un auto avec une ceinture. Tabarnak, ça, c'est assez hétéro. C'est homo. En tout cas, on lui souhaite de trouver des affaires assez homo pour lui. Oui, juste assez homo. Pour ensuite, le retour du Noël, l'hétéro, full pin. Hey. Simon-Pierre Gauthier qui dit « Bel exemple pour les enfants, wow, bravo. » Puis là, après ça, ben là, il y a Andréane qui répond « Fait que toi, quand Guilla fait Madame Brassard, quand Pierre Brassard fait Colette ou quand Marc Labrèche se déguise en Céline, tu caches les yeux des enfants. » Tu sais que ça soigne aussi parce que c'est juste dans ta tête le problème, c'est un personnage. C'est et là, le punch, c'est la réponse à ça. Qui est Patrick Ouimet qui dit « Ouais, je suis pas sûr que Guilla ou Pierre Brassard sucent des hommes. Lol, si c'est ça l'évolution, traite-moi derrière. » Ben, Patrick... t'es en arriéré. Ouais, 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 ouais. Merci de nous inviter à le faire. Arriéré de Noël. Encore une fois, que lui, quand donc il voit, mettons, Pierre Brassard à télé en femme, il dit à son enfant, oui, mais il suce pas d'homme. Pas d'homme. Oh, ouais. Il suce pas d'homme. Barbada, non, aussi, c'est sûr que oui. Que à voilà. L'inverse, ça, je le sais. Je à l'inverse, toi, quand tu vois la fée, t'aimerais ça te faire sucer par la fée. Mais là, tu ne serais pas sucer par un... Là, c'est comme... « The fucking Noël! Ouais. » À l'année passée, t'es sexy, là. En plus, je regarde, si t'es hot dans ta robe, Barbada. Là, ça me dérange. Là, finalement, là, je suis fucked up. Puis là, mes enfants, on ouais. leur dire que je suis bandé sur quoi? C'est ça, écoute. Une mais free homme? Il est comme Félix, là, j'ai un blocage. Il a pas parlé de Marc Labrèche, fait que peut-être que Marc Labrèche suce des pénis. Mais selon quand Patrick, même, il a laissé la porte ouverte. Il est pas sûr que Guilla suce des pénis. C'est ça. Ouais, c'est vrai, ça. C'est ça, on sait il pas. Peut-être, porte, mais c'est l'idéal, on est là, pas sûr. C'est assez homo, c'est quand ça, même. Fait que toi, tu dis, gars, écoute, moi, je veux pas te dire, traitez-moi pas d'arriéré, peut-être, c'est ça, là. Moi, ça dépend beaucoup de ce que tu suces. C'est ça. Ouais, l'évolution, dans c'est tout, sucer tout, moins d'hommes. C'est ça. Oh, c'est de même qu'on est arrivé à aller dans l'espace. Mais aussi, c'est hot, ça, qu'elle suçait pas d'hommes. Ouais, mais je veux dire, l'autre fée, elle suçait peut-être des hommes. Ouais, ouais, c'est je comprends aussi les femmes. Fait que c'est un bon rapport, là, c'est ça que je comprends c'est pas. Vrai. C'est quoi, là? C'est pas c'est clair. C'est complexe. Vraiment... Fait que c'est pas le fait de sucer des pénis qui est comme tant le problème. Non, c'est de sucer des pénis tout en ayant en un attaché fait, après toi. Mais c'est pas des préjugés. C'est ça, non, pas du tout. Non, traitez-moi derrière. Non. Moi, je veux juste dire, c'est pas important ce qu'il y a des culottes des gens. Fait qu'elle, je veux pas à cause d'Alain Pénis. OK, ça t'a minute. Je suis en train de capoter. Ouais, mais tu sais, nous autres, on est allés voir la parade, puis il n'y avait pas personne qui suçait personne. Non, non étonnamment. C'est ça, non, là. C'est parce qu'on n'est pas supposé parler de ça à Noël. Non, comme c'est ça. C'est étrange. On a vu une parade prude, peut-être. Ensuite, on a Inid Bertrand qui dit « Rien contre les trans, en autant qu'il ne suggère pas aux enfants de se faire couper le pénis ou de se bourrer aux hormones pour se sentir bien. À part ça, vivre et laisser vivre. » Fait que ça, c'est message entre parenthèses. Comme première parenthèse, as-tu vu? Ça va. Et deuxième parenthèse, vivre et laisser vivre. Puis entre les deux, le rant le ouais, plus transphobe. Faudrait que quand, quand même pas qu'il suggère aux non, enfants de se couper le pénis non plus. Mais non, mais trans, comme les trans, les drag queens, c'est toutes des trans déjà. En plus. Puis, ouais. En partant, puis aussi, on se rappelle là, toute la propagande intense trans qui s'est faite dans les écoles trans, où les ouais. trans venaient puis ils disaient « Faut se couper le pénis! » Ouais, ouais. Tout le monde se le coupe! Les hormones pour être heureux, les enfants font ça tout le temps. Surtout dans parade de Noël. En fait, ils se faisaient ça l'année longue. On peut savoir la parade de break. Juste 15 minutes où on parle pas de se couper le pénis. Tabarnak de Christ, de vrais ouais. problèmes de ouais. vie. Ensuite, Gervais Lisotte qui dit « Imagine la fée des dents bientôt, MDR. » Ben Gervais, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi parce qu'imagine-toi donc ça existe qu'en 2010, il y avait une fée des étoiles drague. Ouais. Un homme, cette fée avait des pecs et un pénis, mais oui. une robe pis des ailes. Fait qu'en tout cas, imagine ça fait longtemps la... que ça a commencé. Elle a fait des dents bientôt, comme quoi. De quoi? Ça va être quoi? Ouais, ouais, on la voit jamais, la fée ça des dents. Jamais anyway. Ouais. C'est les dents des enfants. Faudrait c'est pas qu'elle nous suce avec les dents. Si ça se trouve, la fée des dents a toujours eu une graine, tu sais, comme ouais. on le sait pas, on l'a jamais vue. Tu le sais pas. Il y a pas de parade de fée des dents. Toi, je revais, les dents c'est une chance, parce que la parade de la fée des dents, c'est fucking creepy. On veut pas voir ça. Quand Gervais a perdu ses dents, il a certainement pas vu de fée, là, ou whatever. Non, non, c'est sûr que
quoi ça le regarde. Mais il se trouvait bien drôle. Mais tu sais, Gervais Lisa, tu sais. Mort! Lui, il a l'air de trouver les journées longues un peu. Là, ouais, Gervais, là, c'est sûr. Ils l'ont mis au soleil, là, mais il a pas l'air gay. C'est comme ça. Il va pas là souvent. Il va pas souvent, mais non. Ensuite, Simon Langevin, le 25 octobre, partageait sur sa page une citation positive. « Prends la vie comme elle vient, parce qu'une chose est certaine, elle ne sera jamais comme tu veux. » Puis ensuite, il est allé commenter « Esti de société de malade mental, une fête d'enfants, la magie des fêtes, t'expliques ça comment à un enfant de 3 ans? » Aïe. Je ne sais pas comment j'expliquerais la magie des fêtes à un enfant de 3 ans, mais j'ai l'impression que ça se ferait un peu tout seul. Puis aussi, comment expliquer que quelqu'un est déguisé en feu? Non. Tu fais pas. Quelqu'un est déguisé en fée. Everything's gone. Tu peux même pas, les enfants font. Ah, puis ils s'en calissent. Il n'y ben oui. a aucun enfant qui est comme. Il faut une explication. Il hey, y a plein de photos d'enfants sur un Père Noël. Ça, c'est un gars, là. Ouais. Ils ont peur, genre. Fait que ça peut être. Ça n'a pas rapport. Mon opinion, c'est que probablement que la fée des étoiles est née du fait que les enfants avaient peur du Père Noël. Puis ça prenait une femme douce, gentille, qui n'a pas une barbe géante, ben blanche oui. d'en face. Pour les accueillir et les amener doucement ouais, ben ça, dans ça, ça le nous truc. Dit aussi beaucoup là-dessus. Les enfants ont beaucoup peur des vieux monsieur. C'est ça. Ça, c'est comme, il y a peut-être quelque bizarre, chose qui ouais, est installé c'est ça, là-dedans. Plus long, ça. Mais ça, c'est mais la magie des fêtes. C'est vrai que c'est drôle. Où est-ce que sa panique commence, par exemple? T'sais, une fête d'enfant, la magie des fêtes, t'expliques ça comme un enfant de 3 ans. On dirait que même lui, dans sa colère, il n'a même pas réussi à parler de l'objet de sa colère. Non, c'est ça. Ouais. On ne sait pas vraiment sait pas c'est quoi, là. Qu'est-ce qu'il reproche? En qu'est-ce qu'il faut expliquer? Il est fâché parce qu'il ne pourrait même pas expliquer ça. Tellement il sait pas. C'est ça, il y a aucune idée. Tellement, il est... Je sais pas comment je sais comment pas. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas de quoi je parle. Je sais même pas qu'est-ce qui me dérange, mais vous êtes malade mental. Ensuite, il a aussi partagé l'esprit, spiritualité et métaphysique. La méchanceté est la caractéristique principale des personnes souffrant d'un sentiment d'infériorité. Oui. Puis ensuite, il est allé commenter une fête d'enfant, colisse, la magie de Noël, il y a des hosties de limite. Colisse. Ouais, Simon moi, anytime, m'a dit dans une fête pour enfants, là, Barbada, viens, mais toi, jamais, jamais tu rentres. Mais non, c'est bon, Simon, voyons toi, donc, t'es pas le spirit de Noël, pas en tout. Non, toi, tu fais peur aux kids, là, laisse ça. Parce que c'est pas la bonne personne qui s'occupe, la fille des étoiles, tu sais, ça va. Personne en plein contrôle. Elle, je l'aime déjà. Brigitte Nadeau, sa photo de cover, c'est « Aujourd'hui, je place une bulle de bonheur tout autour de moi et rien de négatif ne peut y entrer. » Oh boy, ça marchera pas. Sa photo de profil, c'est « Je viens vous saupoudrer de belles ondes positives et de lumière. » On dirait que je le sens, là. « Bien d'accord avec vous. Le but, nous enfoncer dans la gorge leur dépravation. Rendre admissible ce qui n'est pas. Rendre normal ce qui n'est pas. Rendre acceptable ce qui n'est pas acceptable. Comment voilà le monde dans lequel nous glissons tranquillement, mais sûrement. Les gens de MTL devraient porter plainte et faire connaître leur mécontentement. Voilà. C'est parce qu'ils se plaignent pas. Tu veux pas ça, tu sais pas. C'est toi c'est qui se plaint. C'est toi qui se plaint puis t'es même pas concerné. Mais c'est le fun qu'elle vienne nous saupoudrer d'ondes positives et de lumière comme ça. Merci, Brigitte Nadeau. C'est ça, c'est parce qu'elle a mis une bulle positive autour d'elle. Encore une fois, je suis content pour toi qu'il n'y ait pas de drag queen à la place Rosemère. Brigitte, alors, tu pourras aller voir peut-être ton Père Noël chez vous. Ouais, c'est ça, tranquille. Mais tu sais, reste qu'au final, à part comme l'aspect sexualité qui semble toujours mélangé avec juste l'aspect, là, on parle juste de quelqu'un qui a mis une robe là, en ce moment. Personne n'encule personne. Il n'y a pas de sexualité. Il n'y a rien. Personne n'est tout nu. Non. Personne ne suce rien. C'est tout dans leur tête. C'est là. Ça, c'est tout. Puis ça, c'est tout leur perçu. Projection. T'sais. Mais genre, vous capotez. Mais ça, c'est le même monde aussi qui défend le blackface. Ouais. C'est des acteurs, ils peuvent faire n'importe quoi, c'est important, on peut jouer un handicapé, on peut là c'est quoi cette affaire-là de woke, mais là en même temps, un gars pourrait pas être la fée des étoiles, non. Ça c'est impossible. Wow. Mais là c'est parce que c'est les enfants. C'est inadmissible. Le problème c'est les enfants. Oui, les enfants. Voilà. Moi en tant qu'adulte, je comprends que c'est pour une femme. Mais c'était pas 18 ans et plus la petite vie là. Non, c'est ça. Ouais, aussi. Fait qu'est-ce qui est arrivé, je comprends, mettons, mais en même temps... Comment j'explique ça à mes enfants? Pour de vrai, ma mère ressemblait à un paquet de tantes, là, aïe, de gens aïe, que tout je tout connais ce comme big time. Allez leur répondre, c'est à cause de vous que Serge Thériault file comme ça. Il capoterait. Il capoterait. C'est de votre faute. C'est un peu de votre faute. Vous l'avez cassé, avec vos préjugés. Ensuite, Annie Lucier, avoir retrouvé son cœur. Je vous aime, liberté E, liberté E.
et la chanson « Liberté, je crie ton nom ». Fait que ça, c'est sa, un peu son profil. Wow. Et elle vient nous commenter « Wow, il y a tellement de monde pour ça ». Avant, la crise pandémique, tout ça n'existerait même pas. Ouais. Des dragues pour enfants, dans quel monde on vit? Des dragues pour enfants. C'est vrai qu'ils s'imaginent que genre, drague, c'est danseuses. Comme des danseurs. Ouais, ouais, exact. Des... Oui. Ils viennent trop... faire des danses aux enfants. C'est... Mais non, là, il n'y a pas rien de ça. Personne ne veut faire ça. Là. Non, c'est ça. Aïe. Ça s'appelle « Jouer dans la tête des enfants » pour leur dire que c'est une nouvelle norme, une nouvelle mentalité. Eux, ce qui en temps normal ne serait pas supposé eux. La reine du Père Noël au défilé, eux, est une reine, pas une drague. Et pour ceux qui diront que j'ai pas d'ouverture d'esprit. Point. Ça, c'est bizarre que ça fait ça. Ouais, hein? Et voilà. Le monde est lavé du cerveau solid. Voilà. Solid. Solid. C'est vraiment ironique, ça. Ouais, tu peux prendre un des E de trop et le mettre là. Ouais, c'est comme un. Arrange ça, là, c'est correct. C'est elle qui est lavé du cerveau. C'est ça qui est vraiment drôle. Mais il flip de fuck out. Ouais, ouais. Ça, c'est mais quand c'est eux avec le petit sourire après. Allô! Allô! Ouais, ça va bien! Mes deux amours! Bisous, bisous! Bisous, bisous! Ensuite, Normand Brien qui se pose une bonne question. J'essaie d'imaginer une société composée uniquement de drag queens? Point d'interrogation. Ça, c'est toi, ça, Normand! Ouais. Regarde, je t'ai demandé de faire ouais, même ben, les drag queens! Oui ou non? Même les question, drag queens, ils n'essayent pas ça. Je comprends pas ce que ça essaie de faire. Imaginez-vous, imaginez-vous là, que des drag queens. Wow! Mais parce que. Toi, femme, aïe! Tout le monde au Parlement. Des magasins, des restaurants, tout le monde. Deux dans leur char, tout le monde. Partout. Mais si on suit sa logique, ça veut dire que... Les enfants drague! Tout le monde à l'envers! Ça veut dire que quoi, lui, il imaginait une société qu'il y avait juste des fées. Ouais, que des fées avant. Que des fées. Là, ça, je me l'imaginais. C'est un là, monde très noëlé. Ça, je l'imaginais. Là, j'essaie. Je m'imaginais des fois le vendredi soir du sol. Mais c'est sûr, c'est une bonne question, Normand, cette question-là. Mais il y a quelqu'un qui arrive avec plus d'interrogations. Ah ouais, hein? Jean Landry, je ne serai pas présent à ce défilé. 8 points d'interrogation, ou même 15. Il est pas sûr, il va peut-être être là, finalement. Puis là, on dirait qu'il nous demande s'il va être là. Claude Boily lui répond bravo. Puis Jean Landry répond c'est un monde de. Alors, on dirait qu'il est dans un quiz. On passe au vote. Mais sa photo. Il est aussi un peu entre deux. Il est comme... Entre le Canada et le Québec, ouais, comme en arrière d'un drapeau. Un Québec fort dans un Canada uni. Exact. Il ne sera pas présent à ce défilé. Peut-être. 15 points d'interrogation. C'est un monde de. En tout cas, envoyez vos réponses. Ouais, casier postal 3244. C'est l'homme choix de réponse. Là. Tabarnak. Ouais. Michel Montpetit. Tab. 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 Là, onglet. Ensuite. Mais c'était-tu quelqu'un qui googlait genre des tables de guide? Puis, Jacques Rioux qui dit Oust qu'on s'en va, C. Puis là, il est parti dans une boucle infinie de C2. Christ de Calice. Mais en même temps, peut-être qu'il écrivait en moto, gars, sa photo. Il a l'air d'écrire en moto. Pas évident. Là. Texte en moto, c'est plus difficile. Ben oui, c'est sûr. C'est vrai. Tu peux pas en voiture, ça, c'est illégal, mais en moto, c'est correct. T'es pas dehors. Pas besoin de la halte texto. Non. T'es dehors. C'est Pierre. C'est simplement crr de cible de ta cale. Mais là, étonnamment, il y a Jean-Pierre Bisson. Exactement ce que j'allais dire. je m'en venais écrire exactement ça. Il y a quand même eu 27 likes. Ouais. 27 likes ou ça. Love pour cri de cible de ta cale. De cri de cale. Pourquoi qu'ils veulent cacher leur pour les sac? Enfants? Pour les enfants. Ah, c'est pour les enfants. C'est ça, d'un coup, il y a un enfant qui lit ça. D'un coup, pas. Ouais. Puisque là, ça y apprendrait. S'il y a des enfants là, qui nous écoutent ouais. en ce moment, là, ouais. comment tu leur expliques ça? Il y a des enfants partout. sur Facebook en train de chier comme tous. Hein? Ouais. J'essaie d'imaginer un monde composé uniquement d'enfants. Ah. Mais question, oui ou non? Je est-ce que je le fais ou je le fais pas? C'est hot comment ça peut chier sur du monde, puis après, t'es comme gars, ça, c'est notre petite Mimi. Elle est tellement fine, on est les meilleurs. Puis t'es comme, non, toi, t'es dégueulasse, ça se tite. Voyons! Comment, genre, qu'est-ce qui se passe dans ça? Qu'est-ce qui se passe dans l'eau? On a tous une part d'ombre. Je pense que c'est comme un peu la rage au volant. Tu sais, le monde qui crie fort et qui sont vraiment pas eux autres même parce qu'ils se sentent protégés dans un char. Ouais. Dans la vraie vie, ils sont pas de même. Je pense que c'est ça. C'est genre de tu te sens protégé de chez vous, dans tes affaires. Mais soudainement, ils sont dépassés. T'es dans un podcast. C'est avec ton nom. C'est ça, ça l'a craqué, le raid. Tu sais, s'il a écrit ça, il était comme tabarnak de stupide. Calice! Voyons donc! Voir! Comme, peut pas gérer ça. Non. C'est trop pour Pierre. C'est trop. Ah, bon, c'est... Pour eux autres, ils font comme si les autres années,
c'était une des affaires, quand ils voyaient la Fée des Étoiles, ils faisaient bon, bon, les hétéros, on a notre morceau. Ouf, eux autres, les homos, ils ont Freddie Mercury, mais nous autres, on a notre la Fée des Étoiles. On a nos petites affaires. Le là, symbole. Ils enlèvent les une des quatre affaires qu'on a. Super, on a comme toutes, puis on n'a pas besoin de s'énouer. Ouais. Tony Accurso. Mais non. Société lui. Malade. Malade. Mais en tout cas, fait quand même, Tony Accurso n'est pas d'accord. Tu sais où est-ce que t'es rendu. Ouais. Ouais, ouais. Ensuite, Daniel Bouchard. La parade du Père Noël, c'est pas supposé être une fête pour les enfants. Oups. Ah. Pas de ah. place pour ces clowns, ou? Clowns? C'est pas parce qu'ils ont manqué leur coup cet été qu'il faut leur laisser une place dans celle du Père Noël. Fait que là, Daniel, on va te laisser retravailler ça. Ouais, tu nous réécriras. Sans ponctuation, tu vois? Pas évident. Clair, puis là, il y a une négation qui est trop, en tout cas. Ouais. Cool. Ils ont manqué leur coup cet été? Moi, ouais, parce qu'il n'y a pas eu de parade de la fierté. Ah! Fait que là, ils viennent envahir celle du Père Noël. Ben oui, c'est une garde tranchée. Oui, envahir. Oui, notre c'est... fierté à nous. La fierté hétéro. Ouais. La fierté hétéro, comment ça qu'on a passé? Mais on dirait que c'est ça. C'est comme si, dans le fond, ils n'avaient jamais réalisé que quoi, les homosexuels aussi fêtaient Noël? Oui, puis anyway, dans un sens, personne c'est même si... parle d'homosexualité. Non. C'est une drame. Non, c'est ben, ça, eux autres, ils en parlent quand même. Eux autres, ils pensent que c'est ça. C'est automatiquement, là, ouais, ouais. ça va ensemble à tout prix. Ben oui, des à hommes tout prix. Qui font du striptease puis qui font genre ils sont probablement homosexuels même de la prostitution et qui même, ne font que ça en tout temps donc devant des oui, enfants ben, ils font de la prostitution puis ils lisent à des enfants ouais, fait c'est là que j'ai un problème avec ça ben là c'est ça comme des malades exactement. Ensuite, Loulou Marchand, l'art de tout mélanger. Yes. L'art! L'art! L'art seller! Hey, il y a quel l'art! Aïe, aïe. Ensuite, ça, OK. Ici, il y a Sophie Durocher qui a partagé la chronique de Guy Nantel sur sa page, qui chiolait contre ça, of course. Mais là, il y a eu un problème. Puis quand tu cliquais sur le lien, ça t'amenait à une erreur 404. Fait que là, tous les tweets disaient censure, on nous censure. Puis là, Sophie Durocher était obligée de répondre à chacun en collant le bon lien ben oui, en parce dessous que c'est ça, à chacun. Là. Sauf qu'elle, à Suzy Brosso, elle s'est comme trompée, puis elle a juste tagué Suzy, puis elle n'a pas mis le lien. Fait que là, je suis sûr que Suzy est persuadée. Ça y est, on nous cache des choses. Signe, ouais, elle me le dit. Elle est censurée. Ouais, je suis sur quelque chose. Ouais. Mais bravo, Sophie. Bravo. Et encore une fois, ça, c'est très OK Boomer, Sophie. Oui. Tout le monde est boomer là-dedans. Ouais. Là. Exact. Ben, justement, parlant de boomer, Martin Vincent, qui a la réaction la plus boomer possible à ça, il répond par une quote de wow. Beau dommage. Ouais. Le monde est fou, ah ah, c'est ce qu'on en dit, ah ah. Mon chum pis moi, mon chum pis moi. Donc, par contre, je pense que même s'il est très boomer, le prochain, c'est celle-là qui gagne la palme yes. du commentaire le plus boomer. Arrêtez donc, OD, c'est capote cette année. Donc, voilà. Yes, Suzanne! Suzanne Millette qui vient rapper ça de belle façon. Alors, ses affaires. Voilà, donc c'était les 25 meilleurs commentaires. Wow! Oh, man, c'est tout le temps. Oh, bon, merci. Ça, ça, c'est vrai que ça, c'est belle Noël. Chose. Oui, là, c'est Noël. Je me sens en plein comme si j'avais mangé un repas à Noël. Ben, plein de saucisses dans la sauce VH. Ouais, là. Beaucoup de farce. J'ai c'est jamais magnifique. Fait autant Noëlé à Tumonière, honnêtement. C'est super Noëlé là, en ce moment. C'est le plus Noël qu'on a jamais été. Oui. Je pense. Je suis content. Puis tout ça, c'est grâce au pouvoir des amis. Exactement. Hey, t'es-tu content de ce que t'as eu cette année? Oui. C'était ton cadeau. C'est là. Mon cadeau. Tout ça, c'est ton cadeau. On a réussi à faire un beau Noël, finalement. Oh, ouais, ouais, ouais. Toute la famille est venue. Bien content de Noël, là. Joyeux Noël, tout le monde. Mais j'espère que vous avez un beau joyeux Noël aussi. Mais oui. Puis nous autres, on va aller fumer un autre joint. Oh! Yeah! Party!